ministre, mesdames, messieurs, chers collègues, en vertu des qualités, je vous remercie d'être pour votre présence à cette journée estivale. Beaucoup d'entre vous auraient préféré peut-être être à la mer, mais enfin, l'Académie vous accueille avec plaisir pour cette cérémonie tout à fait particulière, puisque nous avons le plaisir et l'honneur de remettre toute une série de prix décernés par l'Académie. Et je cède la parole immédiatement à notre secrétaire perpétuel qui va vous expliquer la procédure. Merci. Voilà. Madame la ministre, mesdames et messieurs les académiciens, mesdames et messieurs les doyens de faculté de médecine, mesdames et messieurs, chers lauréats, chères familles des lauréats, c'est un jour toujours extrêmement important pour notre Académie de médecine que de récompenser de jeunes chercheurs enthousiastes et passionnés qui ont produit une recherche de très haute qualité sous la férule, ne les oublions pas, de promoteurs de nos différentes universités de la communauté française de Belgique et plus largement pour certains prix qui sont nationaux et mis sous l'égide des deux académies à des promoteurs eux-mêmes. À ce titre, je remercie très vivement Madame la ministre d'être présente pour cette remise de prix, démontrant l'intérêt qu'elle porte et la communauté française de Belgique à la recherche innovante, clinique et fondamentale en médecine. L'Académie royale de médecine s'est inquiétée au cours des dernières années du risque de voir la recherche clinique tellement importante pour nos patients s'éroder en communauté française, et ceci en rapport évidemment avec les problèmes de difficultés financières des hôpitaux, de financiarisation des hôpitaux. Sachant qu'aux États-Unis, un article du New England avait souligné en 2019, il n'y a pas tellement longtemps, que les cliniciens-chercheurs avaient subi une réduction impressionnante de leur nombre, passant de 4,6% à 1,4% en 10 ans. Le New England disait « Faites attention parce que c'est dans cette catégorie de personnes que se trouve la moitié des prix Nobel de médecine américains ». Donc il est vraiment essentiel de continuer à faire de la recherche clinique, et c'est finalement parce qu'on s'interroge sur les problèmes des patients et qu'on essaye de trouver des solutions que finalement, bien sûr aussi, on les soigne, on les guérit, et il y a un lien incroyable, remarquable, entre ce souci, cette empathie pour le patient et finalement le fait d'essayer de trouver une solution à ces problèmes. Comme vous le savez, l'Académie a produit un plan en partenariat avec le FNRS pour augmenter le nombre de cliniciens-chercheurs au cours des années futures, et le succès de cette filière s'est marqué par une augmentation très significative des candidatures l'an dernier et par un nombre de cliniciens qui, grâce notamment à l'action de Madame la ministre Glatini et l'aide de Madame Nathalie Leboeuf, a conduit à faire un pas extrêmement positif dans cette démarche, avec un nombre plus important encore que ce que le budget qu'avait dégagé Madame la ministre avait prévu. Nous espérons que ce processus pourra se poursuivre au cours des années futures pour permettre que des réponses précises aux questions majeures de médecine puissent voir le jour pour nos patients. Je ne serai pas long, car vous êtes impatients, bien sûr, de connaître les lauréats et leurs travaux. Je demanderai à Monsieur le Président André Chesne, à Madame la Ministre, de bien vouloir remettre les prix avec le ou la Présidente du jury. Et pour terminer, je voudrais remercier très chaleureusement les jurys de notre compagnie qui, comme toujours, ont officié avec conscience, rigueur et enthousiasme pour classer les candidatures qui étaient nombreuses et de grande qualité. Je félicite déjà tous nos lauréats pour la qualité remarquable de leurs travaux. Merci. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire perpétuel. Donc, nous allons commencer la distribution des prix, et j'invite le président du premier prix, le professeur Benoît van den Eynde, membre titulaire de notre académie, qui va vous exposer le parcours de la lauréate. La lauréate, c'est madame Tamara Dangoulov, qui va recevoir le prix de l'académie pour la microbiologie, la parasitologie, l'immunologie, la santé publique, la médecine légale et la bioéthique. Professeur van den Eynde. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Madame la Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'ai l'honneur de présenter la lauréate retenue par le jury pour le prix pour l'Académie pour la microbiologie, parasitologie, immunologie, santé publique, médecine légale et bioéthique. Vous voyez que c'est un champ de discipline très vaste, et vous verrez que le travail de la lauréate aujourd'hui s'inscrit dans la thématique de la santé publique.
Alors, le jury était constitué du professeur Jean-Michel Daunier de l'Université de Namur, du professeur Michel Goldman de l'Université libre de Bruxelles, de la professeure Sophie Lucas de l'UC Louvain et de moi-même, Benoît Van den Heijn, de l'UC Louvain, en tant que président. Alors, 6 candidatures ont été présentées, parmi lesquelles 5 étaient recevables, c'est-à-dire conformes aux conditions d'octroi du prix définies dans le règlement du prix. Alors, le jury a retenu la candidature de Madame la docteure Tamara Dangoulov de l'Université de Liège pour son travail intitulé « Analyse médico-économique du dépistage néonatal de l'amyotrophie spinale en Fédération Wallonie-Bruxelles ». Alors, le jury a apprécié l'originalité du travail de Madame Tangoulov et son efficacité concrète et pratique dans la mise en place en Fédération Wallonie-Bruxelles d'une nouvelle mesure de santé publique qui a un impact réel sur le traitement de l'amyotrophie spinale, qui est une maladie neurologique congénitale qui se traduit par une paralysie progressive des muscles. Cette maladie est due à des mutations dans un gène qui s'appelle SMN1, qui contrôle en fait la survie des motoneurones. Alors, depuis quelques années, un nouveau traitement a été développé pour cette maladie. Il s'agit d'une thérapie génique qui permet de remplacer le gène muté, le gène déficient. Cette thérapie est très efficace, mais il est impératif qu'elle soit appliquée dès les premières semaines de vie du nourrisson, c'est-à-dire avant que les motoneurones soient détruits par la déficience de ce gène. Il est donc nécessaire de mettre en place un dépistage de cette maladie dès la naissance, afin d'appliquer donc le traitement le plus tôt possible. Un tel dépistage n'existait pas en Belgique avant le travail de Madame Dangoulov. Elle a démontré la faisabilité, l'utilité, la rentabilité en termes de santé publique d'un test génétique de dépistage de l'amyotrophie spinale, et ce, malgré le coût très élevé de ce traitement, dont vous vous souvenez qu'il a d'ailleurs défrayé la chronique il y a quelques années à propos d'un petit bébé dont le traitement était envisagé et n'était pas encore remboursé. Ce test donc est aujourd'hui utilisé en routine en Fédération Wallonie-Bruxelles grâce au travail de Madame Dangoulov, qui a décrit son travail dans une série de 13 publications originales et qui donc a abouti à une nouvelle mesure de santé publique qui a un impact majeur sur la vie des personnes atteintes de cette maladie. Donc le jury a apprécié la persévérance et la polyvalence de Madame Dangoulov, tant il est vrai que pour mettre en place une nouvelle mesure de santé publique, il faut prendre en compte, à côté ou au-delà des aspects scientifiques et cliniques, une série d'autres aspects de nature politique, économique, financière et organisationnelle qui nécessitent une interaction avec des partenaires souvent issus d'un autre monde et qui ne parlent pas toujours le même langage. Madame Dangoulov a franchi ces obstacles avec brio et persévérance. Et ce succès est d'autant plus remarquable qu'elle a un parcours professionnel atypique, avec une formation initiale d'infirmière et de puéricultrice à Paris, suivie de 2 masters, toujours à Paris, en organisation de la santé et en analyse du travail, et enfin un doctorat en santé publique, au cours duquel elle a développé ce travail, le travail récompensé aujourd'hui, qui en fait représente sa thèse de doctorat, qu'elle a défendue avec succès à Paris en 2022. Elle est actuellement à l'Université de Liège, où elle continue à suivre et à organiser la mise en place de ce dépistage, non seulement en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi au-delà, aussi bien en Belgique que dans d'autres pays européens. Alors, au nom du jury et au nom de l'Académie, je tiens à féliciter très sincèrement Madame Dangoulov pour son remarquable travail. Madame, messieurs, c'est un grand honneur aujourd'hui de recevoir ce prix de l'Académie royale de médecine. Je voudrais d'abord remercier les membres de l'Académie et les membres du jury de m'avoir sélectionnée. Je suis ravie de pouvoir présenter ici ce travail qui a été mené à l'Université de Liège, donc sous la supervision des professeurs Laurent Servet et des professeurs Michael Elixman. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de médecine, mais aussi un peu d'argent, parce que c'était quand même au cœur de ce travail. Et donc,
mais pas seulement d'argent. Et donc, d'abord, je vais commencer par vous présenter cet enfant qui a donc une amyotrophie spinale. Il a la forme la plus grave, mais aussi la plus fréquente d'amyotrophie spinale, qui est l'amyotrophie spinale de type 1. Et en l'absence de traitement, cet enfant va mourir dans 4 mois, 5 mois, donc une maladie terrible. Fort heureusement, comme l'a souligné le président du jury, maintenant nous avons des traitements, nous avons même 3 traitements en Belgique qui sont approuvés, remboursés. Et donc grâce à ces traitements, les enfants vont pouvoir faire des progrès moteurs, déjà survivre, et ensuite avoir quelques progrès moteurs. Mais malheureusement, ces progrès moteurs ne seront pas complets et ils garderont un handicap significatif. Ils auront toujours besoin d'un fauteuil roulant, de ventilation à la maison, et donc des soins de santé qui vont coûter extrêmement cher. Et puis un jour, nous avons rencontré cette famille. Donc les 2 enfants sont affectés par l'amyotrophie spinale et le grand frère en fait a pu être traité tardivement parce qu'au moment où le traitement est arrivé en fait. Donc maintenant, ça fait 1 an qu'il est traité, il est capable de tenir assis, ce qui était impossible pour lui avant. Quand il est bien positionné comme ça, il arrive à bien se positionner et il garde quand même une hypotonie proximale. Mais par contre, on peut traiter comme la petite sœur. Donc là, elle a été traitée à 2-3 mois et elle a un développement parfaitement normal. La même famille, 5 ans après, on peut voir que le garçon a continué de faire des progrès, donc il a gagné en autonomie, mais par contre, quand on compare avec sa sœur, elle est capable de courir, elle est capable de faire du vélo, elle a un développement absolument normal. La même maladie, le même traitement, c'est exactement le même traitement qui existe, mais par contre, des conséquences complètement différentes en termes de soins au quotidien, mais également en termes de coûts pour les parents et de coûts pour la société. Et c'est vrai que quand on a rencontré cette famille, après on n'avait plus qu'une idée en tête, c'était comment faire pour que tous les enfants puissent être identifiés comme la petite sœur. Et donc c'est en effet ce qu'on a mis en place, le dépistage néonatal, donc d'abord avec un projet pilote qui a débuté dans la région de Liège et puis qu'on a étendu au fur et à mesure dans la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui au bout de 3 ans a été relayé par les autorités de santé pour modifier la loi et ajouter cette maladie dans la liste des maladies systématiquement dépistées à la naissance. Depuis, ça a pu être aussi répandu au nord du pays, donc on est très content. Maintenant, tous les Belges peuvent en bénéficier. Et puis, en parallèle, on s'est rendu compte assez rapidement que les données médico-économiques allaient être essentielles dans notre argumentation auprès des autorités de santé. Et donc, j'ai commencé à collecter les données auprès de notre grande cohorte de patients suivis au centre de référence des maladies neuromusculaires à Liège. Et donc d'abord, il y avait la première cohorte, qui était la cohorte de patients historiques, donc ceux qui n'étaient pas traités, donc on en avait énormément. La cohorte de patients qui ont été traités tardivement, quand les traitements sont apparus, ou alors après, donc systématiquement, ils sont traités après les symptômes. Et enfin, les patients qu'on a identifiés grâce au dépistage néonatal, il y avait aussi ceux qui avaient été identifiés par leur fratrie, et eux qui ont pu bénéficier d'un traitement précoce. On s'entend, certains étaient quand même symptomatiques, ont quand même été symptomatiques par la suite, mais avec une évolution beaucoup plus favorable. Donc quand on regarde les coûts pour ces 3 catégories de patients, donc le premier, ceux qui n'ont pas de traitement, les coûts médicaux sont très importants, donc ils correspondent aux hospitalisations répétées, notamment dans des services de soins continus, les consultations, la ventilation, souvent c'est des patients qui ont besoin d'une ventilation au moins pendant la nuit. Mais il y a également les coûts non médicaux qui sont très importants. Et donc, ça va être des coûts liés à l'aménagement de la vie au quotidien, de l'aménagement du domicile, mais également la perte de productivité à la fois des parents, parce que souvent, un des 2 parents est obligé de s'arrêter de travailler, mais également de l'adulte, du patient lui-même quand il devient adulte. Dans la 2e catégorie de patients, ceux qui ont été traités tardivement, donc on a le coût de médicaments, qui est en effet énorme. Il est pour le moment ce qu'il est. Les coûts médicaux vont être quasiment identiques parce que ce sont quand même des patients qui vont s'infecter, même s'ils vont s'infecter moins et qui vont avoir quand même des coûts médicaux importants. Par contre, des coûts non médicaux un peu plus légers parce que ce sont des patients qui vont pouvoir travailler, arriver à l'âge adulte avec des adaptations. Et enfin, quand on regarde la dernière catégorie, donc ceux qui ont été traités précocement, le coût du traitement est le même, parce que je rappelle, c'est le même traitement, donc ça, on ne change rien. On ajoute le coût du dépistage néonatal, mais qui est très faible. On parle de 2 à 5 euros par enfant dépisté, donc c'est vraiment une goutte d'eau par rapport au reste. Et par contre, là, des coûts médicaux et non médicaux quasiment inexistants, parce que ce sont des enfants qui grandissent normalement pour la plupart. Donc on a voulu vérifier toutes ces données en extrapolant, donc en faisant une analyse médico-économique. Et donc pour cela, en fait, on a comparé vraiment 2 situations. C'était comparer les coûts de santé et les coûts globaux avec ou sans dépistage néonatal. Et en parallèle, on a comparé les qualis, donc les qualités de vie liées à la santé dans ces 2 scénarios. Et donc avec, on a utilisé un modèle de Markov qui nous a permis d'extrapoler sur la durée de vie de ces patients pour voir comment ils allaient évoluer avec quelques
quelques idées, quelques imaginations de comment ils allaient évoluer. Et en fait, chaque état de santé va être lié, va avoir un coût et va avoir une quali, donc une qualité de vie santé liée. Et en fait, ça nous a permis d'observer que c'était vraiment que le dépistage néonatal était coût efficace, malgré le coût du traitement, malgré tout ce qu'on a pu voir avant, ça restait efficace. Et donc, ça devient un excellent investissement pour la société que d'investir dans le dépistage néonatal. J'ai l'habitude de dire aux autorités de santé, si vous ne dépistez pas pour les enfants, faites-le pour l'argent. C'est un argument qui marche bien. En parallèle, on a partagé ce programme donc auprès de plus de 22 pays, donc à la fois les données médico-économiques, mais aussi la mise en place du programme, vraiment donc en open access, donc là avec un petit focus sur l'Europe. Donc c'est vrai que c'est des pays qui depuis ont bougé sur ce dépistage. En parallèle, on a fait également une enquête qui nous a permis auprès de plus de 80 pays de voir l'état du dépistage, l'état de l'accessibilité déjà au traitement dans le monde, parce que comme c'est très récent, c'est depuis 2018 uniquement, et l'état du dépistage néonatal. Et donc ça, c'est un update de l'article qui n'est pas encore publié. On peut voir qu'en Europe, l'Europe a commencé massivement à dépister ses nouveau-nés. Et donc on est très contents, ça se propage à grande vitesse. Voilà, je tenais à remercier déjà les parents et leurs patients, enfin les patients et leurs parents plutôt, pour avoir pris le temps de répondre à mes questionnaires et puis de continuer de m'envoyer les exploits de leurs enfants. Je continue à les suivre à Liège avec toujours autant de plaisir. Et puis bien évidemment mes deux promoteurs, donc le professeur Laurent Servet pour la partie médicale de cette thèse et puis la supervision globale, et le professeur Michael Elixmann pour tout le versant économique. Voilà, je vous remercie de votre attention. On va passer au second prix qui va être présenté par la présidente du jury qui était le professeur Myriam Knop, membre titulaire de notre académie, et qui va vous présenter la lauréate, Madame Odile Feiss, qui va donc recevoir le prix Alveranga de Piori. Myriam. Merci, bonjour tout le monde. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente la lauréate du prix Alveranga de Piaoui, le docteur Odile Feiss. Et cette présentation a pour moi été l'occasion de lire un petit peu sur l'origine de ce prix qui existe depuis 140 ans. Il porte le nom, et je dirais en particulier pour les Brésiliens dans la salle, il porte le nom du docteur Pedro Francisco da Costa Alvarenga, né en 1826 à Oeiras, dans l'état de Piauí, dans le nord-est du Brésil, dans le Sertão, une vaste région aride. Il quitte le Brésil à l'âge de 8 ans. Il fera des études de médecine à Lisbonne et, lors d'un passage à Bruxelles, un doctorat à l'ULB plus précisément. Il enseignera la médecine à l'école de médecine et de chirurgie de Lisbonne, sera impliqué dans la prise en charge d'épidémies de choléra et fièvre jaune à Lisbonne en 1856 et 57, et il écrira plusieurs ouvrages dans le domaine de la cardiologie. Il deviendra membre honoraire de l'Académie royale de médecine de Belgique. Et lorsqu'il meurt, riche et célèbre, en 1883 à Lisbonne, il allouera un montant à l'état de Piauí pour la construction d'une école à Oeiras. Effectivement, sa ville natale, qui actuellement a une population d'environ 30 000 personnes,
s'était retrouvée sans école après le déménagement de la capitale de Piaui à Teresina. Avec son héritage, il instituera également des prix Alvarenga do Piaui au sein des académies de médecine de Paris, Lisbonne, Bruxelles, Vienne, Berlin, Philadelphia, Stockholm et Rio de Janeiro. Et depuis, est décerné ce prix à l'auteur du meilleur ouvrage dont le sujet au choix traitera d'une branche de la médecine. Et au cours de ces 20 dernières années, 40% des prix Alvarenga do Piaui ont été décernés à des femmes, puisque l'Académie a commencé un travail sur le déséquilibre du genre dans l'Académie et nos universités. Je tiens à le signaler. Donc, c'est avec grand plaisir que cette année, au nom de l'Académie royale de médecine de Belgique, Benoît Bolland, Gustave Monen, Thierry Peperzac et moi-même ont octroyé le prix Alvarenga do Piaui au docteur Odile Feys pour son travail intitulé « Détection et localisation des décharges épileptiformes grâce à la magnétoencéphalographie de scalp ». Alors, diplômé médecin de l'Université catholique de Louvain en 2018, le docteur Odile Feys est candidate spécialiste en neurologie et doctorante à l'Université libre de Bruxelles. Son travail vise à établir la place de la magnétoencéphalographie de scalp dans la prise en charge de l'épilepsie réfractaire. Elle a publié un article original dans Radiology et un case report dans Annals of Neurology démontrant l'intérêt de cette nouvelle approche chez des enfants avec épilepsie focale. Au nom du jury, je vous félicite, Odile, pour cet excellent travail et je vous cède la parole. Félicitations. Madame la ministre, monsieur le président, monsieur le secrétaire général, je voudrais tout d'abord remercier le jury pour l'attribution de ce prix à mon travail, qui s'intitule donc « Détection et localisation des décharges épileptiformes grâce à la magnétoencéphalographie de scalp » et dont je vais vous parler au cours des prochaines minutes. Alors, avant de vous parler spécifiquement de la magnétoencéphalographie de scalp, il faut que je vous parle très brièvement de la magnétoencéphalographie conventionnelle, qui est une technique d'investigation de l'activité cérébrale qui vise à enregistrer les champs magnétiques cérébraux. C'est une technique qui est extrêmement précise, à la fois avec une très bonne résolution temporelle et une très bonne résolution spatiale. Mais pour enregistrer des champs magnétiques aussi faibles que ceux qui sont produits par le cerveau, les capteurs de la magnétoencéphalographie conventionnelle doivent être refroidis dans l'hélium liquide, donc à moins de 169 degrés. Et vous pouvez aisément vous imaginer qu'on ne peut pas les placer directement sur le cuir chevelu des patients. Raison pour laquelle ils sont placés dans un casque rigide, comme vous pouvez voir sur l'image de gauche, qui permet de maintenir un espace d'isolation thermique entre le cuir chevelu des patients et les capteurs. Néanmoins, on sait que les champs magnétiques cérébraux vont diminuer en amplitude de façon proportionnelle à la distance entre les capteurs et la source cérébrale. Et donc cet espace d'isolation thermique induit que les champs magnétiques vont être enregistrés avec une amplitude plus faible. Et chez les patients qui auront un plus faible périmètre crânien, tels que les enfants par exemple, le champ magnétique sera enregistré avec une plus faible amplitude encore. Il y a deux indications cliniques actuellement pour faire une magnétoencéphalographie conventionnelle, mais la première d'entre elles, c'est la prise en charge de l'épilepsie focale réfractaire. Et donc, suite à l'avènement de nouveaux capteurs de champ magnétique, appelés magnétomètres à pompage optique, que vous pouvez voir sur la deuxième photo, l'objectif de ce travail a été de démontrer si ces capteurs étaient capables également d'enregistrer l'activité épileptiforme et de comparer leur performance par rapport à la technique classique, la magnétoencéphalographie conventionnelle. Dans un premier temps, il a été nécessaire de trouver un moyen de placer ces capteurs sur le cuir chevelu, parce que vous vous imaginez bien que cette petite brique qui ressemble à un Lego ne tient pas toute seule sur le cuir chevelu. Et c'est pourquoi on a cousu ces petits supports bleus que vous voyez qui ont été imprimés en 3D sur des bonnets d'EEG.
Ça permet d'avoir un excellent confort parce que les bonnets sont élastiques et donc ils s'adaptent à la morphologie de la tête de tous les patients. Et également, il existe plusieurs tailles de ces bonnets. Donc, ça peut s'adapter à tous les périmètres crâniens, allant des nouveau-nés, comme vous pouvez voir sur la photo de droite, aux enfants, comme vous voyez sur la troisième photo, mais également aux adultes, aux sujets âgés. Il n'y a pas de limite d'âge, pas de limite de périmètre crânien avec cette technique. Dans un premier temps, on a réalisé des enregistrements qui comparaient les deux techniques, donc d'une part la magnétoencéphalographie de scalp et d'autre part la magnétoencéphalographie conventionnelle chez 5 enfants qui souffraient d'épilepsie focale. Et vous pouvez voir ici donc les résultats chez un de ces enfants. Donc vous pouvez voir ici une pointe épileptique qui a été enregistrée en magnétoencéphalographie conventionnelle, une pointe épileptique qui a été enregistrée en magnétoencéphalographie de scalp. J'attire votre attention sur le fait que l'échelle est différente de part et d'autre, et donc visuellement, vous pouvez tous objectiver que l'amplitude est supérieure grâce à la magnétoencéphalographie de scalp par rapport à la magnétoencéphalographie conventionnelle, et c'était le cas chez les 5 patients. Ça peut être expliqué donc de façon très facile, parce que la distance entre les capteurs et la source cérébrale a été réduite de moitié en moyenne chez tous les enfants qui ont été inclus. D'autre part, ça a permis également d'améliorer le rapport signal sur bruit de l'enregistrement de magnétoencéphalographie chez 4 des 5 patients. Alors, ce n'est pas un 100%, mais la 5e patiente est un enfant qui a extrêmement bougé dans le champ magnétique résiduel, et c'est pour ça que le bruit était plus important également. Néanmoins, le rapport signal sur bruit était équivalent entre la magnétoencéphalographie de scalp et la magnétoencéphalographie conventionnelle. Et c'est un point important qui mérite d'être souligné, parce que la magnétoencéphalographie conventionnelle n'a aucune tolérance au mouvement. La tête du patient, quel que soit son âge, doit rester impérativement bien placée dans le casque. Ça veut dire que chez les enfants, par exemple, qui sont incapables de rester immobiles, l'examen doit être fait sous sédation. Donc on passe à un examen beaucoup plus tolérant, et ça rend l'examen moins invasif pour des enfants, par exemple. On a également effectué une reconstruction de source sur ces activités. Donc chaque petit point rose que vous pouvez voir ici, il y a un petit zoom ici en dessous, représente la reconstruction de source sur une pointe isolée. Et en bleu, vous pouvez voir la reconstruction de source moyenne grâce à la magnétoencéphalographie conventionnelle, et en vert, la reconstruction de source moyenne grâce à la magnétoencéphalographie de scalp. Et vous pouvez observer ici que ces deux localisations sont extrêmement similaires. Chez cette patiente, elles étaient distantes de 3 mm, alors que la résolution spatiale de la magnétoencéphalographie conventionnelle est de l'ordre de 5 mm. Donc, on est dans un range d'une technique qui a une grande valeur localisatrice, similaire en tout cas au gold standard. Ensuite, pour l'instant, je vous ai parlé donc des activités qui surviennent entre les crises, qui sont dites interictales, mais la suite de ce travail, ça a donc été d'enregistrer l'activité ictale qui survient pendant les crises et qui donc est aussi associée à beaucoup plus de mouvements, puisque la majorité des patients vont quand même avoir une manifestation motrice de leur crise d'épilepsie. Et donc on a fait cet enregistrement chez un 6e patient qui a passé une heure au repos dans la magnétoencéphalographie de scalp, et puis qui a réalisé une hyperventilation. C'est une manœuvre de provocation des crises où on demande aux patients de respirer très vite et très fort, donc qui entraîne aussi des mouvements. Et chez ce patient, on a pu enregistrer 21 crises d'épilepsie, et vous pouvez voir un exemple de crise d'épilepsie ici, évidemment pas 1021, mais chacun des démarrages de crise, donc la première activité qui est observée, a pu être localisée. Vous pouvez voir tous les points verts ici sur ces IRM, qui représente la localisation des différents démarrages de crise. Donc vous pouvez voir que ce patient souffrait d'épilepsie multifocale, et ça a été confirmé par l'enregistrement en stéréoélectroencéphalographie, qui est le gold standard en termes de localisation dans la prise en charge de l'épilepsie, avec des localisations tout à fait similaires. Donc ce que je peux dire à l'heure actuelle, évidemment ça doit être testé sur un plus grand nombre de patients, mais c'est que sur base de ces travaux, la magnétoencéphalographie de scalp a une grande tolérance au mouvement, permet d'avoir un grand confort, surtout chez des patients qui ne sont pas forcément compliants comme les enfants, et elle permet de détecter les activités épileptiformes, que ce soit interictales ou ictales, avec une grande valeur localisatrice qui pourrait en faire un outil diagnostique très intéressant dans la prise en charge de l'épilepsie focale réfractaire à l'avenir, et peut-être un jour dans d'autres pathologies neurologiques également, puisque grâce à tous ces avantages. Et je voudrais terminer en remerciant tous les patients et leurs parents qui ont accepté de participer et sans qui il n'y aurait pas pu y avoir ces travaux de recherche. Également les épileptologues qui me les ont référés,
mes collègues ingénieurs et physiciens, grâce à qui tout ça fonctionne techniquement, évidemment. Et je tiens à remercier en particulier le professeur Xavier de Thiège, grâce à qui j'ai eu l'opportunité de réaliser ce travail, ainsi que les professeurs Vincent Wenz et Serge Goldman, qui m'ont donné de nombreux conseils dans la réalisation de ce travail. Et merci à tous. Bonjour à tous, Madame la Ministre, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Président, chers collègues, chers lauréats, chères familles aussi qui êtes présents. Le jury était constitué pour ce prix du professeur Cataldo de l'Université de Liège, du professeur Casimir, notre secrétaire perpétuel de l'Université de Bruxelles, et moi-même pour l'Université de Louvain. Le prix Henriette Simon, qui est un prix quadriennal, récompense le meilleur travail en langue française, néerlandaise ou anglaise sur le traitement ou un des aspects de la prise en charge de l'asthme. Les membres du jury ont décidé de remettre ce prix à M. Gilles Louis, qui est titulaire d'un master en sociologie de l'Université de Liège. Il y est chercheur et doctorant dans le département de santé publique. Il y mène un projet de recherche avec une visée de partenariat patient dans l'approche des soins de santé et plus particulièrement de leur propre santé. Les travaux présentés sont concentrés sur les indicateurs de qualité de vie chez l'asthmatique adulte en rapport avec le contrôle de sa maladie. L'intérêt de ce travail réside dans la promotion de l'engagement du patient dans le système de soins de santé. De façon concrète, les travaux étudient le lien entre qualité de vie et contrôle de la maladie asthmatique dans une optique longitudinale. Les suivis sont assez longs. Le prix lui a été attribué en raison de l'attention portée à la qualité de vie du patient en utilisant des indicateurs de vie réelle. L'intérêt du travail réside dans la vision santé publique qu'il porte dans ses publications, ainsi que dans l'importance du monitoring régulier du patient et de ses symptômes au travers d'éléments significatifs de qualité de soins pour le suivi des traitements. Il confronte les données de santé publique avec des données cliniques en conditions de vie réelle. Le jury donc félicite M. Gilles Louis pour son travail. Merci pour cette introduction. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, je vais aujourd'hui vous présenter la synthèse des travaux de ma thèse, qui a été donc récompensée par le prix Henriette Simon, et j'en suis très honoré. Cette thèse donc portait sur l'usage des patient-reported outcome measures, les PROMS, dans l'asthme chez l'adulte. En guise d'introduction, j'aimerais vous partager quelques éléments clés issus de la littérature qui nous ont amenés à nous intéresser à ces instruments de mesure de la santé perçue par le patient que sont les PROMS dans cette maladie chronique respiratoire qu'est l'asthme. Nonobstant une amélioration des connaissances sur le diagnostic et la prise en charge de la maladie au cours des dernières décennies, force est de constater la persistance de deux problématiques majeures de santé publique dans l'asthme chez l'adulte. Premièrement, un nombre important de faux diagnostics d'asthme est rapporté en soins primaires, avec 54% de sous-diagnostics et 33% de surdiagnostics. Et deuxièmement, de nombreux patients diagnostiqués asthmatiques sont encore insuffisamment contrôlés, avec 54 à 57% de patients asthmatiques non contrôlés.
Et ce nombre important de patients non contrôlés peut notamment s'expliquer par une mauvaise adhésion thérapeutique où la littérature rapporte l'existence de 60 à 70% de patients asthmatiques non adhérents à leur traitement. Pour faire face à ces difficultés de santé publique imposées par les maladies chroniques telles que l'asthme, notamment en termes de non-adhésion thérapeutique et de ses conséquences socio-économiques et humaines, plusieurs travaux considèrent la perspective du patient et l'engagement du patient dans ses soins comme un levier d'action. À cet égard, la littérature a récemment positionné l'usage en pratique clinique des PROMS comme un moyen de contribuer à l'engagement du patient dans ses soins. Dès lors, nous avons décidé de mobiliser cet angle d'approche dans l'asthme où très peu d'études ont été menées. Ainsi, cette thèse cherchait à répondre à trois objectifs principaux. 1. Évaluer la contribution des PROMS dans la prédiction de l'asthme chez l'adulte. 2. Évaluer la contribution des PROMS à la qualité de vie des patients asthmatiques. Et 3. Explorer l'usage fait et souhaité des PROMS en routine par les professionnels de santé des centres d'asthme en Belgique francophone. Pour répondre au premier objectif principal, nous avons construit 8 modèles prédictifs de l'asthme qui combinaient des PROMS, les indices spirométriques et le FINO. Et nous avons donc évalué la performance prédictive de ces modèles à l'aide d'analyses en ROC curve, tout d'abord dans une cohorte de dérivation, c'est ce qu'on veut voir sur la gauche du slide, et puis on a appliqué ces modèles sur une cohorte de validation, c'est ce qu'on voit sur la droite du slide. Les analyses en ROC curve vont révéler que c'était le 8e modèle, celui qui combinait donc un PROMS, à savoir le sifflement autorapporté par le patient, avec une mesure unique des indices spirométriques et du FINO, qui offrait la meilleure capacité discriminative, avec une aire sous la courbe égale à 0,76 dans la cohorte de dérivation. On peut le voir, c'est la courbe noire sur le graphique de gauche, celle qui est la plus proche du coin supérieur gauche. Et ce modèle restait le plus performant une fois appliqué sur la cohorte de validation, avec une aire sous la courbe égale à 0,73. Les résultats de cette étude ouvrent des perspectives importantes en termes de détection précoce de l'asthme en soins primaires, et ce à l'aide d'un test simple, rapide et peu coûteux. Ensuite, pour répondre au deuxième objectif principal, 2 études transversales et 1 étude longitudinale ont été menées à partir de données de vie réelle collectées par la clinique de l'asthme du CHU de Liège. Alors, il y a 2 grands résultats qui ressortaient de ces 3 études. Tout d'abord, on peut observer sur la gauche du slide que la qualité de vie liée à l'asthme, telle que mesurée par le PROM AQLQ, s'améliorait indépendamment du changement de traitement pharmacologique entre la première et la deuxième visite. Autrement dit, tant pour les patients pour lesquels il n'avait été recommandé aucun changement de traitement, que ceux pour lesquels il avait été recommandé soit une augmentation de la dose du traitement de fond, soit une diminution de la dose du traitement de fond, mais également chez les patients pour lesquels il avait été recommandé d'arrêter la prise de corticostéroïdes par voie orale, eh bien, on constatait une amélioration de la QLQ supérieure ou égale à 0,5, ce qui correspond à la différence clinique minimale importante. Ensuite, parmi les différents paramètres qu'on a injectés dans nos différents modèles d'analyse multivariés, eh bien, il ressortait que 3 PROMS en particulier, à savoir la perception du contrôle de l'asthme, l'essoufflement et l'oppression thoracique autorapportée par le patient, ressortaient comme les principaux facteurs prédictifs de la qualité de vie des patients asthmatiques. Enfin, après avoir démontré la valeur des PROMS dans la prédiction de l'asthme et dans l'amélioration de la qualité de vie, nous nous sommes interrogés sur leur usage en pratique clinique par les professionnels de santé des centres d'asthme en Belgique francophone. Alors ce graphique, il vous présente donc en rouge l'usage actuel et en vert l'usage idéal des PROMS selon différentes dimensions d'utilisation reconnues dans la littérature. On peut tout de suite voir que les dimensions d'utilisation liées à la perspective biomédicale, telles que la recherche clinique ou le monitoring de l'asthme, sont davantage repris dans l'usage qui est fait actuellement des PROMS par les professionnels de santé, plutôt que dans l'usage qui devrait être fait idéalement des PROMS. A contrario, les dimensions d'utilisation liées à la perspective du patient, à l'engagement du patient, telles que aborder les aspects négligés de la relation de soins, faciliter la communication avec le patient, soutenir la prise de décision partagée, eh bien, sont davantage reprises dans l'usage qui devrait être fait idéalement des PROMS plutôt que dans l'usage qui est fait actuellement des PROMS par les professionnels de santé. En conclusion, les résultats de cette thèse affinent l'approche par les PROMS en démontrant que chaque symptôme arbore une valeur spécifique qui fournit des informations différentes sur les facettes de la maladie. La dyspnée et l'oppression thoracique semblent être les symptômes les plus impactants pour la vie des patients, alors que le sifflement bronchique semble être le symptôme le plus associé à la probabilité d'avoir un asthme. Par ailleurs, les résultats de cette thèse amènent à réinterroger la prépondérance de l'approche strictement pharmacologique dans la prise en charge de l'asthme et soulignent
l'importance de prendre en considération la capacité des individus à auto-estimer leur maladie dans une finalité d'amélioration de la qualité de vie. Et enfin, la seule utilisation des PROMS dans une perspective biomédicale ne suffit pas à engager le patient. Elle doit être complétée par d'autres initiatives, d'autres outils, tels que la santé digitale et l'éducation thérapeutique du patient, mais elle doit également s'inscrire dans une démarche de partage des données issues de ces PROMS entre les professionnels de santé et le patient, afin d'adopter une prise en charge personnalisée. Et en ce sens, et je terminerai là-dessus, Janssen et Snyder soulignent la nécessité de développer dans le champ des maladies chroniques une médecine de précision, c'est-à-dire une médecine qui propose une prise en charge personnalisée fondée sur les résultats des PROMS, car elle serait, selon les auteurs, et nous l'avons démontré dans l'ASD, contributive d'une amélioration de la santé des individus, mais également de la qualité et de la sécurité des soins. Je vous remercie pour votre attention. Et je tiens également à remercier, mes deux promoteurs, à savoir le professeur Michel Guillaume et le professeur Benoît Pétré de l'Université de Liège. Je vous remercie. Passons donc au prix suivant. J'invite le professeur Stéphane Loriant, membre titulaire de l'Académie, de proposer le curriculum et l'exposé du travail de Guy Rousseau, qui est le lauréat de ce prix. Et c'est le prix du docteur Franz Jonker sur l'histoire de la médecine. Monsieur Loriant. Bien, Madame la Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues, Mesdames et Messieurs, Donc, il s'agit d'un prix d'histoire de la médecine et la commission était constituée des professeurs Constantin Escou de l'UCL, Doriot de l'Université de Liège, moi-même comme rapporteur et Madame Smets de l'UCL. Alors, le prix a été attribué au professeur Guy Rousseau pour son ouvrage intitulé « Sur la piste des messagers cellulaires » publié en 2021 chez l'Harmattan. Alors, on ne présente plus notre collègue Guy Rousseau, qui est bien connu par tous les membres de cette assemblée, néanmoins. Donc, il faut signaler qu'il est membre de notre compagnie, professeur émérite à l'UC Louvain, que ses travaux ont porté sur la messagerie cellulaire, notamment appliquée à la différenciation des cellules hépatiques et pancréatiques, et il a reçu de très nombreux prix scientifiques. Alors, son ouvrage est remarquable et plante le décor de la médecine moderne centrée sur la biologie et la génétique moléculaire. L'histoire des avancées dans ce domaine y est vue interprétée au travers de carnets de voyage d'un explorateur, soit à travers le prisme des lunettes de l'auteur. L'ouvrage fournit une approche historique de la biologie moléculaire permettant d'éclairer les contours des concepts d'ARN messager ou encore d'effets pharmacologiques de la dexaméthasone tels qu'ils furent révélés au grand public à l'occasion de la pandémie récente. À la lumière de son propre parcours, l'auteur nous fait revivre des découvertes décisives dans ce domaine et dans celui plus large de la génétique moléculaire. Il nous conduit sur les pas des pionniers qui se sont risqués en terrain inconnu et dont les aventures riches en péripéties ont ouvert des voies nouvelles pour l'époque dans l'intimité de nos cellules. Des anecdotes racontées avec humour, agrémentées de brèves notices explicatives accessibles à un large public, animent une aventure à laquelle de nombreux scientifiques belges ont grandement contribué. C'est une production entièrement originale, potentiellement dédiée à un public plus large. Il évoque les découvertes majeures de la médecine qui couvrent un champ d'application tout aussi large et montre comment elles impactent encore aujourd'hui sa pratique. Une galerie de portraits illustre le caractère souvent imprévisible des progrès scientifiques et leurs relations parfois tumultueuses mais fécondes entre recherche et société. En nous révélant l'enfer du décor au-delà du fait technique, ce récit montre que le chercheur en sciences biomédicales, qu'il soit aventurier, entrepreneur, chef d'orchestre, clinicien inspiré, beaucoup de métaphores, voire marginal solitaire, il en est peut-être encore, on peut l'espérer, fait partie d'un microcosme qui reflète la diversité du monde contemporain. À résumer, un ouvrage réellement à mettre entre toutes les mains.
m'entendez-vous sans microphone? Ah, il est caché quelque part. Il a disparu. Ah non, le voici. Voilà. Madame la ministre, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le président, je remercie les membres du jury qui ont accepté de distraire de leur précieux temps celui qui fut nécessaire à l'examen des candidatures et suis honoré d'apprendre que mon livre a retenu leur suffrage. L'histoire de la médecine moderne est marquée par une triple révolution. L'ouverture des fenêtres du laboratoire sur le jardin des simples, la confrontation du microscope et des traités traditionnels des anciens, un dialogue inédit entre chercheurs et cliniciens. Cette nouvelle culture médicale a prospéré sur le terreau fertile du siècle des Lumières, le dogmatisme faisant place à la libre pensée, le charlatanisme à la méthode expérimentale, la fatalité à la foi dans la science. Les innombrables succès de cette révolution ont favorisé un nouvel état d'esprit, ouvrir la porte de la médecine à toutes les disciplines scientifiques et aux découvertes les plus étrangères à l'art de guérir, souvent né du croisement de l'intuition et de la serendipity des anglo-saxons. La COVID-19 offrait une occasion d'illustrer ce paradigme en évoquant trois entités projetées sous les feux de l'actualité par cette pandémie. Un vaccin innovant, l'ARN messager, un médicament inattendu, la dexaméthasone, un outil de diagnostic universel, la PCR. En effet, contrairement à la rumeur, leur histoire remonte à plusieurs décennies et elle fut ponctuée par des avancées, des controverses et des rebondissements dont les plus marquants sont relatés dans l'ouvrage couronné aujourd'hui. Ainsi, le lecteur sera conduit sur les traces d'un espion en Ardennes. Il découvrira des vers à soie dans une base secrète nazie et des crapauds géants dans une valise diplomatique. Il partira en expédition dans la jungle mexicaine, en Papouasie et dans les montagnes rocheuses. En Californie, il pourra revivre une nouvelle ruée vers l'or, l'or de la biotechnologie, où se croisent idéalistes, aventuriers, entrepreneurs et mécènes excentriques. Les anecdotes, cocasses ou dramatiques, qui jalonnent le récit et révèlent le dessous des cartes, anime une saga humaine et scientifique qui a repoussé les limites de la médecine moderne. Ce chapitre de l'histoire de la médecine, souvent méconnu du grand public, se veut un plaidoyer de plus pour la recherche fondamentale, avec sa part de hasard et d'inattendu, et une illustration de la maxime de Pasteur : il n'y a pas de recherche appliquée, il y a des applications de la science. Les carnets de voyage présentés aujourd'hui font écho à la déclaration prémonitoire de Montaigne, qui écrivait dans les Essais : je réponds ordinairement à ceux qui me demandent raison de mes voyages, que je sais bien ce que je fais, mais non pas ce que je cherche. Merci pour votre attention. J'invite maintenant le professeur Marc Parmentier, membre titulaire également de notre académie, à venir présenter la lauréate Myriane Romiti, qui va recevoir le prix Albert-Pierre-Jean Dustin.
Madame la ministre, mesdames et messieurs, chers collègues. Le prix quinquennal Albert-Pierre Jean Dustin récompense une recherche expérimentale dans le domaine de la pathologie cellulaire ou des mécanismes cellulaires et moléculaires responsables de pathologies humaines ou animales. Il est réservé à des chercheurs belges ou ayant accompli leur recherche en Belgique et n'ayant pas atteint l'âge de 40 ans. Le jury était composé d'Anne-Simone Parent, Frédéric Lemaigre, André Skeen et moi-même. Ce jury a reçu 3 candidatures de grande qualité et a décidé à l'unanimité d'attribuer ce prix à Myriam Romiti pour le travail qu'elle va vous exposer dans un moment. Myriam Romiti est de nationalité brésilienne. Elle a effectué toutes ses études au Brésil. Elle a obtenu un doctorat à l'université de Rio Grande do Sul. Et c'est en 2014, après son doctorat, qu'elle a été recrutée comme chercheuse postdoctorale dans le groupe de Sabine Costagliola, donc à la faculté de médecine de l'ULB. Donc cela fait maintenant une petite dizaine d'années qu'elle y est, avec l'aide notamment du FNRS pour une partie de cette période. Et c'est dans ce cadre qu'elle a réalisé un tour de force à la fois scientifique et technologique, donc de développer des organoïdes de thyroïde à partir de cellules souches humaines et de caractériser ces organoïdes à la fois in vitro et in vivo. Il s'agit d'un travail de grande envergure et extrêmement original qui a été publié pour la plus grande part dans Nature Communications très récemment. Et c'est donc l'ampleur, la qualité et l'impact potentiel de cette recherche qui a justifié la décision du jury. Je vous remercie. Bonjour à tous. Good morning, everyone. I'm sorry, but I'm going to do my speech in English. My French is not good enough. So I would like initially to thank Professor Marc Parmentier for this nice introduction and to thank everyone from the jury for choosing my project. And I'm very glad and honored to be here today receiving this prize named after this remarkable professor, Albert-Pierre Jean Dustin. So today I'm gonna briefly talk to you about the work we have been developing in the last years in the lab of Sabine Costagliola concerning the use of organoids as research tool. So organoids are considered mini organs that we can grow in a petri dish, and they can be derived from pluripotent stem cells or adult tissue. These organoids are very special because they can grow as three-dimensional structures. They can contain several different cell types, but the most remarkable feature is that they can recapitulate the function of an organ. So due to these very important capabilities, organoids can be used to tackle several different questions in research. For example, we can study the development of an organ and the process involved and the defects that can occur. We can model disease such as cancer, congenital disease, autoimmune, and many others, test for toxic compounds, and they have emerged as a very potential tool for regenerative medicine in the near future. So in the lab, in the last years, our main goal was to be able to generate functional human thyroid organoids in a petri dish. And for that, we start with human embryonic stem cells that we modified genetically in order to allow them to form the thyroid tissue. These cells were initially cultured as three-dimensional structures, endoderm was induced, and then by overexpression, we induced the expression of the two major thyroid transcription factors, NKX2.1 and PAX8. And by doing so, we could generate these very nice thyroid progenitors, here demonstrated by the co-expression of these two markers. And even after removing this stimulus, we could continue seeing the presence of these progenitors. Then by a combination of several different compounds, we could induce the maturation of the cells towards thyroid mature cells, as we can see here over time.
and by day 58, we could observe the formation of these three-dimensional structures called follicles that are able to produce thyroid hormone and store inside of the lumen. So here was the first time that we could demonstrate the generation of functional human thyroid organoids derived from pluripotent stem cells in vitro. But we had another question. Can we transplant these organoids and try to recover the levels of thyroid hormones in hypothyroid animals? So for that, we initially used immunodeficient mice. We inject these animals with radioactive iodine in order to destroy the thyroid tissue. And 5 weeks later, we inject the organoids generated in the lab under the kidney capsule of these animals. After 5 weeks, we analyzed by imaging if the presence of the tissue was there. So you can see in the first imaging here, the signal that we normally observed in the region of the thyroid. And in the third image, we can observe here a very similar signal in the area of the kidney. This indicates that we had thyroid tissue generating there. So by histological analysis, we observed the presence of the thyroid tissue, and more than that, we observed numerous follicles, most of them producing thyroid hormone. So the next step was to understand if these hormones could be released into the blood flow. And then we checked for the levels of T3 and T4 in these animals. And as you can observe here, the T3 levels were completely restored in the hypothyroid animals that were transplanted with these organoids, while T4 levels were significantly increased. And another very important aspect is that the thyroid pituitary axis regulation was preserved, since we see that TSH levels decreased following the increase of T4. So here we can say that we can generate human thyroid organoids that can be transplanted in vivo and revert hypothyroidism in animals. We propose a new model to study the development of the thyroid gland, but also to understand why defects can occur and to model disease. So currently, we are also using this model to understand the effect of endocrine disruptors on the thyroid gland. And here we show a proof of concept that using organoids for thyroid regenerative medicine is a reachable goal, but of course, optimizations are needed. So I would like to finish thanking everybody that contributed for this project. This prize is not only mine, but from a big group of people that collaborate and made it work. And I would like to thank especially my dear friend and mentor, Sabine Costagliola, for trusting me and guiding me through this process. All my team, my family, and friends that are always supporting me and listening about organoids almost every day. And all of you for your attention. Thank you very much. Professeur Pierre Lefebvre, mon ancien maître, membre honoraire de notre compagnie. Il va vous présenter le lauréat suivant, Farah Tamirou, qui va recevoir le prix Suzanne et Liliane Sherman. Madame la ministre, Monsieur le Président, mon cher André, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs, chers confrères, chers amis. Fondé en 2002, le prix académique triennal
Suzanne et Liliane Sherman vise à récompenser la meilleure étude consacrée à la pathologie ostéo-articulaire, qu'elle soit inflammatoire, dégénérative ou tumorale. Il est réservé à un chercheur ou une chercheuse ou à un groupe de chercheurs, trois au maximum, travaillant en collaboration. Le prix est destiné à un ou des candidats de nationalité belge attachés à un centre de la communauté française de Belgique. Pour l'exercice 2022, nous avons reçu une seule candidature, celle du docteur Farah Tamirou de l'UC Louvain. Le jury désigné par notre Académie était constituée de votre serviteur qui a joué le rôle de président, des professeurs Yves Pirson de l'UCL, Élie Cogan et Muriel Moser de l'ULB. Le docteur Farah Tamirou est de nationalité belge. Âgé de 39 ans au moment de sa candidature, elle est actuellement chef de clinique adjointe au service de rhumatologie des cliniques universitaires Saint-Luc. Elle a défendu avec succès une thèse de doctorat en sciences médicales en 2018. Elle fait état d'un mandat de spécialiste pour doctorant du FNRS à partir du 1er octobre 2020. Sa candidature est en parfait accord avec les critères de recevabilité du prix Suzanne et Liliane Sherman. Conformément à la règle, il appartient à la lauréate de vous présenter elle-même le résumé de son travail, sa nature et l'importance de celui-ci. Il nous suffit de dire que les travaux de Madame Tamirou portent sur différents aspects de la prise en charge des patients atteints d'une maladie très particulière, le lupus érythémateux disséminé. Les travaux qu'elle nous a présentés ont fait l'objet de publications originales dans des périodiques internationaux de qualité. Ils ont conduit à plusieurs protocoles de recherche translationnels, on est à la mode, actuellement en cours, en collaboration avec l'Institut de Duve. Mesdames, Messieurs, le lupus érythémateux disséminé est une maladie systémique, invalidante, associant des manifestations cutanées, lupus, mais touchant différents organes, dont la pathologie ostéo-articulaire, objet du prix qui nous concerne, et une pathologie viscérale dans laquelle domine une atteinte des reins, une néphropathie. Cette néphropathie de la maladie lupique en conditionne souvent le pronostic. Le diagnostic posé, la prise en charge, doit donc être globale par des praticiens expérimentés. Et c'est ici que se situe l'excellence du dossier de notre lauréate. Elle fait partie de la grande famille des médecins dits internistes. Le docteur Farah Tamirou est aujourd'hui devenue la référente dans le service de rhumatologie des cliniques universitaires Saint-Luc pour les maladies lupiques. Au nom du jury qui s'est prononcé à l'unanimité, je félicite la lauréate et forme les vœux les meilleurs pour la poursuite de ses travaux qui s'annoncent prometteurs, non seulement pour elle, mais surtout, et c'est le plus important, pour les patients qui lui font confiance. Je vous remercie.
Je vous remercie, professeur Lefebvre, pour cette belle introduction. Je remercie également les membres du jury d'avoir sélectionné mes travaux, et également la famille Sherman pour le soutien accordé. Madame la ministre, monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames, messieurs, chers collègues, j'ai l'opportunité de vous résumer ces prochaines minutes les travaux qui ont été couronnés par le prix Suzanne et Liliane Sherman. Donc on l'a dit, il concerne une maladie très hétérogène qui est le lupus érythémateux disséminé, maladie auto-immune qui touche préférentiellement les femmes, 9 femmes pour un homme, avec un spectre clinique qui est très varié et qui est résumé sur cette diapositive, allant d'une atteinte articulaire avec une polyarthrite symétrique dont la forme extrême est une arthropathie déformante que l'on appelle l'arthropathie de Jacoux. Il y a également des manifestations cutanées qui sont très fréquentes et d'autres manifestations comme les sérosites par exemple, l'atteinte hématologique et on l'a dit, des manifestations qui grèvent le pronostic des patients, que sont la manifestation rénale, l'atteinte rénale, la néphropathie lupique, mais également l'atteinte neurologique qui elle est plus rare, fort heureusement, dans la maladie. Et donc ici, les prochaines diapositives concerneront donc l'atteinte rénale, puisque cette atteinte est fréquente dans la maladie et dès l'instant où elle est diagnostiquée, le traitement de celle-ci va englober celui des autres manifestations, puisque ce que je ne vous ai pas dit, c'est que malheureusement plusieurs de ces manifestations cliniques peuvent coexister chez un même patient. La néphropathie lupique, je vais vous montrer quelques chiffres pour vous faire prendre la mesure de la problématique. Elle concerne plus ou moins un patient sur deux qui a un lupus érythémateux disséminé. Il y a un risque d'insuffisance rénale chronique qui est de près de 20%, donc qui est très embêtant parce que ça concerne aussi des patients qui sont jeunes, cette pathologie. Et donc, s'ils ont une insuffisance rénale chronique qui s'installe précocement, eh bien, ils risquent d'arriver en insuffisance rénale terminale à un âge jeune. D'ailleurs, l'insuffisance rénale terminale concerne 5% de ces patients et c'est une pathologie qui est plus sévère également dans certaines populations comme chez les patients africains ou les patients hispaniques. Alors, c'est une maladie qu'il va falloir traiter agressivement. Alors, on la suspecte sur base clinique par certaines choses, donc des œdèmes des membres inférieurs, une hypertension artérielle, une protéinurie, éventuellement une dégradation de la fonction rénale. Il va falloir confirmer ce diagnostic par la réalisation d'une histologie rénale qui va nous confirmer qu'il s'agit bien d'une glomérulonéphrite lupique, d'une néphropathie lupique. Et donc mes travaux ont visé à essayer de prévenir la survenue de l'insuffisance rénale chronique et donc dans un premier temps d'essayer d'optimaliser le traitement de cette maladie. Le traitement de cette maladie comprend deux volets. Il y a un traitement de maintenance, d'induction de la rémission qui est suivi d'un traitement de la maintenance de la rémission. Tout ça était très bien connu. Je suis venue essayer d'apporter une pierre à l'édifice. Au niveau du traitement d'induction, ici, c'est la partie droite de la diapositive, en essayant de voir, au niveau du traitement immunosuppresseur instauré, quels étaient les... plus exactement, il y a deux traitements immunosuppresseurs qui peuvent être utilisés dans le traitement d'induction de la néphropathie lupique. L'un d'eux est la cyclophosphamide intraveineuse. Ce traitement, il a été mis au point dans cette indication par nos collègues américains il y a de cela plusieurs années, à des doses importantes, plus de 6 grammes cumulés. Le souci, c'est qu'il induisait une ménopause précoce. Je vous l'ai dit, le problème, c'est que la maladie impacte surtout des femmes jeunes en âge de procréer. Et donc ça, c'était un souci et ça freinait beaucoup de cliniciens à l'usage de cette molécule. Raison pour laquelle une équipe britannique, donc des collègues européens, ont mis au point des doses plus faibles de ce traitement, donc une dose cumulée de 3 grammes, pour essayer d'éviter cet effet secondaire. Ce régime a d'ailleurs été validé et popularisé par le professeur Frédéric Cousseau et utilisé, mais j'ai pu vérifier qu'effectivement, nous avions cette impression en clinique qu'il n'induisait pas de ménopause précoce, mais j'ai pu vérifier que c'était bien le cas. Comment ? Par le dosage d'une hormone qu'on appelle l'hormone antibullérienne, des dosages sériques, et en fait cette hormone permet de nous donner une mesure de la réserve quantitative ovarienne.
Et ce que vous voyez sur la slide de droite, c'est que par rapport à des patients qui n'ont pas reçu, qui ont un lupus, qui n'ont pas reçu de cyclophosphamide intraveineuse, ceux qui ont reçu les 3 grammes cumulés du régime à faible dose de cyclophosphamide, qu'on appelle le régime Eurolupus 3 grammes, ont sensiblement les mêmes taux d'hormones antimullériennes sériques, alors que les patients qui ont reçu le régime américain, plus de 6 grammes, eux, ont un taux plus bas et donc moins. On a pu montrer ainsi que le régime Eurolupus n'impactait pas la réserve ovarienne, à l'inverse du régime à plus haute dose. Donc ça, c'est une donnée importante. Ça permet maintenant d'utiliser de manière plus sécure ce régime thérapeutique qui est essentiel, puisque je vous l'ai dit, il n'y en a que 2, celui-là et un autre qu'on appelle le mycophénolate mofétil. L'autre point du travail était de vérifier, donc après le traitement d'induction, la maintenance de la rémission. Là, nous utilisons classiquement 2 molécules, il y en a d'autres, mais surtout 2 molécules immunosuppressives que sont l'azathioprine et le mycophénolate mofétil. La différence entre ces molécules, c'est que l'azathioprine est compatible avec une éventuelle grossesse. Alors quand on a une néphrite lupique, ce n'est pas le moment d'avoir une grossesse, parce que le risque de mortalité et morbidité est important. Néanmoins, dans la réalité clinique, eh bien, il se trouve que parfois les patients tombent enceintes. Et donc, nous sommes plus à l'aise avec un traitement compatible éventuellement avec une grossesse, en l'occurrence l'azathioprine. À nouveau, nos collègues américains avaient démontré, avant cette étude-ci, que le mycophénolate mofétil était supérieur à l'azathioprine comme traitement de maintenance dans une population qui n'était pas européenne. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons vérifié que dans une population européenne, donc nos patients, l'azathioprine et le mycophénolate mofétil étaient équivalents pour maintenir la rémission. Et donc ça, c'était une autre donnée importante concernant le traitement de la maladie. Alors une fois qu'on a traité la maladie, quelle est la cible? Comment est-ce qu'on peut voir que le traitement qu'on a instauré est efficace et comment est-ce qu'on peut prédire l'évolution au long cours? Parce que ce que je ne vous ai pas dit, mais vous le devinez, c'est que l'insuffisance rénale chronique et a fortiori terminale est un événement tardif. Et donc nous aimerions avoir des marqueurs précoces qui nous permettent de prédire très tôt dans la prise en charge quel est le pronostic de ces patients. En l'occurrence ici, nous avons pu mettre en évidence qu'il s'agit en fait de la chute de la protéinurie lors de la première année de traitement qui permet de prédire l'évolution à long terme, avec une cible très précise qui est qu'il faut atteindre une protéinurie inférieure à 0,7 g par jour après un an de traitement pour pouvoir, au lit du patient, lui donner la perspective que sa fonction rénale sera conservée plusieurs années après l'instauration du traitement. Donc cette cible a une excellente valeur prédictive positive. Le problème, c'est qu'elle a une mauvaise valeur prédictive négative de l'ordre de 30%. Ce qui veut dire, et ça heureusement, que 2/3 des patients qui n'atteignent pas cette cible vont quand même bien évoluer. Mais le problème de cette cible, c'est qu'on ne parvient pas à identifier les patients qui vont mal évoluer, et c'est précisément cela que l'on a envie de repérer. C'est pour cela que l'on s'est intéressé à regarder ce qu'il se passe dans le rein lui-même, dans le tissu rénal lui-même, et donc en faisant en routine des biopsies rénales de contrôle. Donc, je vous l'ai dit, première biopsie diagnostique, deuxième biopsie, on évalue la réponse du traitement. C'est ce que nous aimerions faire. Et en fait, ici, ce que vous voyez, c'est à la rebiopsie, l'indice d'activité de la pathologie, de la glomérulonéphrite lupique, eh bien, lorsqu'il y a un indice d'activité qui est supérieur à 2, et certainement à 3, eh bien, les patients ont plus de malchance de rechuter et donc éventuellement de développer une insuffisance rénale chronique. Et c'est la raison pour laquelle nous aimerions valider la rebiopsie, donc la biopsie de contrôle à 1 an, dans une étude multicentrique prospective qui est en cours de recrutement et que l'on appelle Rebiolup, à laquelle participent de multiples centres à l'international. Nous recrutons donc des patients qui ont une glomérulonéphrite lupique proliférative, qui sont traités selon les standards, mais déjà dès le diagnostic, nous randomisons les patients pour recevoir une biopsie à 1 an ou ne pas être rebiopsiée et faire l'objet d'un suivi clinique. Les patients qui seront rebiopsiés, nous allons prendre en compte évidemment cette rebiopsie pour, en fonction des résultats, intensifier ou non l'immunosuppression. Et le but, c'est d'évaluer après 2 ans s'il y a plus de réponses rénales complètes dans le groupe qui a été rebiopsié et avec lequel on a tiré profit de cette seconde biopsie. Donc ceci est en cours. Nous avons recruté une 50aine de patients. Nous voudrions en avoir 200 dans l'étude.
Voilà, je vous remercie pour votre attention et je profite aussi pour remercier le professeur Roussio, sans la supervision duquel tous ces travaux ne sont pas ce qu'ils sont. Et merci également aux patients et je vous remercie pour votre attention. Je voulais remercier Madame la Ministre encore d'être venue. Elle doit malheureusement nous quitter pour un autre engagement. Merci encore. J'invite maintenant le professeur Marc Radermaker, membre associé de notre compagnie, qui va présenter la lauréate Sybille Lejeune pour le prix Noubar Boyajian pour la pathologie cardiaque. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers et chers collègues, chers lauréats, Mesdames et Messieurs, le prix biennal Noubar Boyajian récompense une étude clinique ou un travail de recherche dans le domaine de la pathologie cardiaque. La lauréate du prix 2023 est le docteur Madame Sybille Lejeune, dont les travaux ont été évalués par l'Académie et qui ont été soumis à un jury constitué du professeur Michel Nisol de l'ULG, du professeur Michel Goldman de l'ULB et de moi-même comme rapporteur. Madame Lejeune est âgée de 32 ans, de nationalité belge. Elle est diplômée docteur en médecine de l'UCL avec la plus grande distinction en 2016 et s'engage ensuite dans une formation de médecine interne pour 2 ans. Elle réoriente sa formation en 2018 pour une spécialisation en cardiologie et se consacre pendant 4 ans à la réalisation d'un doctorat en sciences de la santé à l'UCL avec comme promoteur le professeur Anne-Catherine Pouleur dans le pôle CAR de l'Institut IREC de l'UCL. Sa thématique est le phénotypage des patients insuffisants cardiaques avec une fonction systolique préservée. Elle défendra sa thèse avec brio et donc docteur en sciences médicales. Le titre global de ses travaux est Heart Failure with Preserved Ejection Fraction, From Comorbidities to Endothelial Dysfunction, Exploring the Road Through Inflammation and Oxidative Stress. Madame Lejeune rapporte que l'insuffisance cardiaque, dont la prévalence est de 1 à 3 % dans les populations adultes occidentales, grimpe jusqu'à 10 % au-delà de 70 ans. Elle s'est particulièrement consacrée à l'étude des patients ayant une fonction systolique préservée, l'acronyme est HFPEV. Elle a pu, par ses travaux, mieux définir l'épidémiologie et surtout les caractéristiques cliniques de ces patients. Par ses recherches plus fondamentales au sein du laboratoire prestigieux que j'ai nommé, elle a contribué à mieux connaître les mécanismes biochimiques possiblement incriminés dans le développement de l'HFPEV en étudiant le statut inflammatoire des patients, l'exposition au stress oxydatif, la dysfonction endothéliale et notamment également le déséquilibre de la production en oxyde nitreux. L'Académie et le jury ont particulièrement apprécié qu'à la suite de ces travaux, elle ait pu déboucher sur une meilleure connaissance physiopathologique de cette entité très fréquemment rencontrée désormais, en suggérant de manière assez logique des thérapeutiques innovantes. Elle a encore plus apprécié le fait que dans une maladie où incontestablement le cœur est victime de son environnement, elle préconise la prévention. C'est donc en la félicitant un plaisir et un privilège d'inviter Madame Lejeune à présenter ses travaux. Merci beaucoup pour l'introduction.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers membres de l'Académie royale de Belgique, chers collègues, c'est avec une profonde gratitude et un immense honneur que je vous remercie pour ma nomination au prix Noubar Boya-Dijon. Cette reconnaissance représente plus qu'un honneur personnel, elle incarne le fruit de nombreuses années de dévouement, de travail et de passion dédiées à la recherche clinique et à la médecine. Et c'est un privilège d'avoir pu contribuer à ma modeste échelle au progrès de la science en Belgique. Ma recherche dans le domaine de la cardiologie a été effectuée dans le cadre d'une thèse de doctorat sous la supervision du professeur Anne-Catherine Pouleur au sein du laboratoire de l'IREC à l'Université catholique de Louvain et portait donc sur l'insuffisance cardiaque à fonction préservée. Une pathologie passionnante sur le plan scientifique car encore mal comprise. L'insuffisance cardiaque, comme vous le savez peut-être, est un syndrome clinique complexe qui englobe des symptômes tels que l'essoufflement, la congestion et l'intolérance à l'effort. Ces symptômes sont dus à une incapacité du cœur de répondre aux besoins en oxygène du corps. Et l'insuffisance cardiaque se divise en deux catégories principales. La première, l'insuffisance cardiaque à fonction systolique réduite. Je ne sais pas si les boucles vont tourner. Non. Désolée pour ce petit souci technique. Ah, voilà. Donc, cette première catégorie de patients où la fonction systolique est altérée, vous pouvez constater sur l'image d'échographie que c'est la fonction contractile du cœur qui est atteinte. Ces patients souffrent généralement d'une maladie ischémique, ont fait des infarctus, ont pris des toxiques. On a une cause assez facilement identifiable à cette maladie. Alors que dans l'autre catégorie, l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée, qui est la maladie qui nous intéresse, sur l'échographie, on pourrait penser que ce cœur est tout à fait normal. Et pourtant, les patients que nous avons en face de nous ont les mêmes symptômes que dans la première catégorie. Dans ce cas d'insuffisance cardiaque, le cœur ne présente pas un problème de contraction, mais un problème de relaxation, entraînant une élévation des pressions de remplissage, donc des pressions au sein des cavités cardiaques. Mais il est important de noter que ce défaut de relaxation, bien qu'essentiel, n'est pas suffisant pour provoquer la maladie. En effet, environ un tiers des personnes âgées de plus de 75 ans vont avoir des caractéristiques échographiques de problèmes de relaxation et pourtant ne jamais développer le syndrome d'insuffisance cardiaque accompagné de ces symptômes. Par ailleurs, la maladie, par contre, va se développer sur un terrain déjà malade et pas chez une personne qui, par ailleurs, est saine, mais chez des patients qui ont d'autres maladies chroniques, telles que de l'hypertension artérielle, généralement évoluant depuis longtemps, du diabète de type 2, de la fibrillation auriculaire, des problèmes pulmonaires et d'autres maladies chroniques. Et donc, il semble maintenant assez clair que l'insuffisance cardiaque à fonction préservée n'est pas une pathologie unique, mais regroupe plutôt différents sous-groupes de patients avec des mécanismes distincts. Et en pratique clinique, ça va donner toutes sortes de représentations. Et on va avoir une hétérogénéité clinique assez importante au sein de cette maladie. Et cette hétérogénéité explique aussi qu'on est assez peu équipé pour traiter ces patients. Parce que comme on a différents mécanismes encore mal identifiés, on a aussi difficile de trouver un traitement qui est efficace et qui améliore la qualité de vie et les symptômes chez tous les patients de manière indifférenciée. C'est dans ce contexte que notre travail de recherche a pris forme, notre objectif étant de caractériser les patients atteints d'insuffisance cardiaque à fonction préservée, en mettant particulièrement l'accent sur leur profil métabolique et d'explorer les mécanismes physiopathologiques sous-jacents. Et pour ce faire, nous avons mené une étude observationnelle au sein des cliniques universitaires Saint-Luc. Donc nous avons inclus des patients qui se présentaient pour cette pathologie durant plusieurs années. Et nous avons d'abord été très descriptifs parce que c'est une maladie qui est encore assez peu connue et assez peu reconnue par les cliniciens. Donc ça nous semblait d'abord important de savoir un petit peu quel est le profil de patient type qui se présente avec cette maladie. Nous avons donc recueilli les informations cliniques sur les patients, leurs antécédents, leur profil, âge, poids, taille, paramètres vitaux, les résultats de tests biologiques, des paramètres échographiques et chez certains patients même des paramètres d'IRM. Et nous avons observé que les patients que nous rencontrons, en tout cas dans un centre médical tertiaire que sont les cliniques universitaires Saint-Luc, sont assez bien corrélés à d'autres cohortes internationales et sont représentés particulièrement par des personnes âgées, vous voyez, 78 ans d'âge moyen, généralement en surpoids, un BMI moyen de 29 kg par mètre carré, principalement, donc majoritairement des femmes,
avec, comme je vous le disais, tout un contexte de maladies chroniques telles que de l'hypertension dans presque 100% des cas, de la fibrillation auriculaire qui est une arythmie qui se développe également avec l'âge, de l'insuffisance rénale chronique, de l'anémie et du diabète dans 40% de ces patients. Au niveau échographique, il montre donc ces problèmes de relaxation qui ne sont pas toujours visibles au premier regard quand on fait de l'échographie et donc qui demandent vraiment une attention particulière pour pouvoir faire le diagnostic de ces malades. Nous avons ensuite observé que deux profils se distinguent en fonction de la présence ou de l'absence de diabète. Les patients diabétiques sont en effet généralement plus jeunes, plus obèses et présentent davantage de fibrose cardiaque sur de l'imagerie par résonance magnétique. Probablement conséquence d'une inflammation systémique à bas bruit liée à leur statut métabolique. Dans une deuxième population de patients, nous avons exploré un petit peu plus loin ces mécanismes inflammatoires en dosant la myéloperoxydase, qui est un marqueur d'inflammation et d'activation des globules blancs, et en faisant aussi d'autres mesures plus centrées sur la rigidité artérielle, qui est un autre composant incriminé dans l'insuffisance cardiaque à fonction préservée et dans les conséquences sur les autres organes qu'ont cette maladie. Et en dosant cette myéloperoxydase, nous avons effectivement observé que les patients avec un taux élevé de myéloperoxydase étaient plus souvent diabétiques et avec ce contexte d'inflammation, de stress oxydant, et qu'ils étaient aussi plus souvent masculins. Alors qu'à l'inverse, dans la population où ces taux de myéloperoxydase n'étaient pas très élevés, c'était principalement des femmes et avec une rigidité artérielle plus importante. Il semblerait donc que dans cette partie de la population, la rigidité artérielle soit un facteur prédominant dans le développement de la maladie, à l'inverse de l'autre groupe où c'est plutôt le contexte inflammatoire et métabolique qui serait en jeu. Et donc pour résumer, en partant de deux populations différentes et en étudiant différents paramètres, nous avons distingué des sous-groupes similaires, un groupe de patients plus jeunes, majoritairement masculins, plus souvent diabétiques avec une composante inflammatoire prédominante, et un autre groupe de patients plus âgés, majoritairement féminins, où la rigidité vasculaire et la présence d'arythmies comme la fibrillation auriculaire sont à l'avant-plan dans le développement de la maladie. Ces résultats ouvrent des perspectives intéressantes pour la recherche de traitements dans l'insuffisance cardiaque. Je n'ai malheureusement pas le temps de détailler autant que dans ma thèse toutes ces perspectives. Mais c'est en comprenant mieux ces profils et les mécanismes sous-jacents que l'on peut envisager des approches thérapeutiques plus ciblées en espérant pouvoir améliorer la qualité de vie et le pronostic des patients. Je tiens à remercier ma promotrice, le professeur Pouleur, et toute l'équipe de recherche pour m'avoir aidé à la réalisation de ces travaux. Et je vous remercie pour votre attention. Juste un petit mot pour les cliniciens dans la salle. Donc dans cet HFPEF, comme on appelle, donc il y a un médicament maintenant qui est commercialisé depuis quelques années et qui est remboursé par la mutuelle, qui sont les inhibiteurs des SGLT2, donc c'est glyphlosine. Ce sont des médicaments qui au départ étaient des antidiabétiques et qui maintenant se sont montrés extrêmement efficaces comme traitement, les premiers d'ailleurs à se montrer efficaces dans le traitement de l'HFPEF chez des patients diabétiques, mais également chez des patients non diabétiques, ce qui est absolument étonnant. C'est quand même rare d'avoir une classe de médicaments comme ça qui change complètement d'orientation finalement, d'autant plus qu'également maintenant il y a des perspectives dans la néphropathie diabétique, mais également non diabétique. Donc ça c'est une petite parenthèse, mais par ailleurs merci beaucoup pour votre travail. Monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le président, chers collègues, chers lauréats, mesdames, messieurs, le prix Paul et Philippe Martin est créé à la mémoire du professeur Paul Martin et de son fils Philippe. Il est destiné à couronner des travaux particulièrement brillants en neurochirurgie clinico-expérimentale ou en neuroradiologie interventionnelle.
le professeur Paul Martin est, je pense qu'on peut le dire, le père de la neurochirurgie belge, père des hôpitaux, des services de neurochirurgie dans les cliniques Saint-Pierre et Hôpital Bruckmann. Il a été président de cette compagnie. Les membres du jury, à savoir le professeur Laurence Beaune, le professeur Jacques Brocci, le professeur Éric Salmon et moi-même, nous sommes réunis le 18 avril dernier et nous avons souhaité récompenser le mémoire déposé par le docteur Adrien Guénégo, neuroradiologue à l'Université de Bruxelles. Ce prix récompense les travaux originaux du candidat dans le domaine de l'accident vasculaire cérébral, AVC, de ses complications et de leur traitement. Le docteur Adrien Guénégo est français, il est né le 17 mai 1990 à Toulouse et il a obtenu le diplôme de docteur en médecine à l'Université de Toulouse en 2014, se classant ensuite très brillamment au concours de l'internat ou examen classant national. Il se spécialise ensuite en radiologie au sein des hôpitaux universitaires de Toulouse et il obtient le diplôme de médecin spécialiste en imagerie médicale, diagnostique et interventionnelle en 2019. Il poursuit depuis lors sa spécialisation et exerce une activité clinique en neuroradiologie interventionnelle à l'Université libre de Bruxelles, tout en menant un brillant parcours doctoral au sein du laboratoire de neurologie expérimentale de l'ULB. Le dossier de candidature comportait de nombreux travaux et publications, dont on retiendra plusieurs études rétrospectives portant sur les facteurs pronostiques et les approches techniques de la thrombectomie mécanique de petits caillots distaux observés dans certaines formes d'AVC. La candidature reposait également sur deux protocoles prospectifs conduits par le docteur Guénégo, l'un observationnel, l'autre randomisé, étudiant la perfusion cérébrale après rupture d'anévrisme, comparant l'approche médicale et des approches percutanées mécaniques dans le traitement du vasospasme. Le caractère original, novateur et porteur d'espoir des recherches du docteur Guénégo a été souligné, puisqu'elles explorent les approches thérapeutiques du vasospasme, ce vasospasme qui est une complication majeure lors de la prise en charge des ruptures d'anévrisme, en raison de l'imprédictibilité de sa survenue, de la souffrance cérébrale dévastatrice et irréversible qu'il induit chez le patient et des limites thérapeutiques actuelles. Cette originalité des travaux présentés et la qualité du curriculum du candidat ont convaincu le jury, unanimement favorable à l'attribution du prix Paul et Philippe Martin 2023 au docteur Adrien Guénégo pour ses travaux de recherche en neuroradiologie interventionnelle. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les membres du jury, je vous remercie pour ce privilège, cette invitation et le prix que vous m'accordez. Docteur Frédéric Lecouvet, merci pour cette belle introduction. Et je tiens déjà aussi à remercier directement le professeur Boris Lubitsch, qui est chef du service de neuroradiologie interventionnelle à l'hôpital Erasme, promoteur de ce travail de thèse et qui m'accorde toute sa confiance pour tout ce travail que nous faisons ensemble. Donc je vais brièvement vous présenter le travail, remettre un petit peu dans le contexte qu'est-ce que l'anévrisme, le vasospasme, de ce que nous cherchons à étudier. Donc l'anévrisme, beaucoup de gens en ont entendu parler, que vous soyez ou pas touché dans votre famille, dans vos proches. Un anévrisme, c'est une faiblesse de la paroi d'un vaisseau qui peut arriver partout dans le corps. Nous nous intéressons principalement aux anévrismes intracrâniens, car en cas de rupture, ce sont des anévrismes qui peuvent poser des problèmes graves pour la santé des patients. C'est en fait donc une déhiscence, une faiblesse de la paroi qui va entraîner une déformation grossièrement de cette paroi, qui est donc plus à risque de se rompre et donc de saigner potentiellement. Il y a plusieurs formes d'anévrisme. La plus fréquente est celle que vous voyez ici, avec une forme comme une hernie sur un pneu de vélo. C'est une forme saculaire qu'on appelle ça. C'est une pathologie relativement fréquente qui touche 2 à 3% de la population, toute la population générale dans nos pays. Alors, vous me demandez pourquoi est-ce qu'on ne les dépiste pas ou on ne les traite pas tous? Parce que fort heureusement, tous ne se rompent pas. Et donc, plus de 80%
de ces anévrismes ne saigneront jamais. Donc les personnes vivront toute leur vie sans savoir qu'ils ont un anévrisme et pourront décéder d'une cause totalement autre. Et donc c'est pour ça qu'actuellement, il n'y a pas de traitement ou de dépistage systématique de cette pathologie. Alors malheureusement, il y en a évidemment aussi qui vont se rompre avec donc le taux de rupture annuel qui est entre 8 et 10 pour 100 000 personnes par an. Donc c'est des taux qui sont quand même relativement peu fréquents, heureusement. Cependant, évidemment, si jamais il y a une rupture de cet anévrisme, étant donné que c'est à l'intérieur de la boîte crânienne avec du cerveau autour, il peut y avoir des conséquences dramatiques et très graves. Donc, en cas de rupture d'un anévrisme intracrânien, le taux de mortalité est de base très élevé, avec à peu près la moitié des gens qui vont en décéder, la moitié immédiatement et donc qui n'arriveront jamais à l'hôpital, ou la moitié qui peuvent décéder plus tard des suites de complications ou dans la première année après le traitement d'autres complications générales. Les survivants, encore une fois, heureusement certains survivent, mais ceux qui survivent vont potentiellement avoir des séquelles lourdes de type ne plus bouger un bras, plus bouger une jambe, ne plus pouvoir parler, ne plus pouvoir s'exprimer. Et donc ce sont des séquelles très lourdes. L'anévrisme, en cas, s'il n'est pas rompu, il n'y a aucun symptôme, donc les gens ne savent pas qu'ils ont un anévrisme, sauf s'ils passent une imagerie cérébrale pour un autre motif. Et la rupture est un processus qui est vraiment très rapide, ça dure une seconde, quelques secondes, le sang sort autour du cerveau ou dans le cerveau, et l'anévrisme ne saigne plus. Le patient, s'il survit, donc, est adressé à l'hôpital pour la prise en charge. Dans cette prise en charge, l'intérêt, ça va être, un, de traiter l'anévrisme, donc le boucher, pour éviter qu'il ressaigne et donc le sécuriser par deux moyens, soit les neurochirurgiens peuvent ouvrir le crâne et le clipper, c'est-à-dire mettre une petite pince à son entrée, le sang ne passera plus, l'anévrisme sera guéri, ou la deuxième technique, on va dire, en termes chronologiques qui a été développée, donc la technique endovasculaire, si on va passer par l'intérieur des vaisseaux, par les artères, monter des tuyaux jusque dans les artères du cou, puis les artères qui sont autour du cerveau pour aller mettre des dispositifs à l'intérieur qui vont le boucher par l'intérieur et donc le guérir et éviter qu'il ressaigne. Une fois qu'on a fait tout ça, donc on est toujours très fiers de nous et très, très heureux, malheureusement, il y a d'autres complications qui peuvent arriver. Le patient, une fois qu'il a été traité, même s'il va bien, dans un deuxième temps, il y a d'autres phénomènes donc on va appeler l'ischémie cérébrale retardée, et donc notamment le vasospasme qui fait partie de cette physiopathologie, qui est vraiment juste un des acteurs, on va dire, de cette ischémie. En fait, les artères vont, à cause de l'inflammation qui se crée à cause du saignement, les artères vont se rétrécir, et si elles se rétrécissent trop, le sang ne pourra plus arriver au cerveau qui, lui, était sain jusqu'à présent, et donc malheureusement, créer un AVC ischémique. Donc on le sauve d'un AVC hémorragique pour malheureusement parfois avoir des AVC ischémiques par la suite, et créer donc des séquelles neurologiques lourdes. Donc le but, c'est essayer de prendre en charge ce vasospasme et cette ischémie cérébrale retardée. Donc le vasospasme, donc les sténoses, les rétrécissements, c'est très fréquent. Plus de la moitié des gens qui ont une rupture d'anévrisme vont avoir un rétrécissement de leur vaisseau. Heureusement, tous ne vont pas avoir des conséquences graves, mais malheureusement, nous, on essaye actuellement de le prévenir, ce rétrécissement des vaisseaux, avec des médicaments. En cas d'échec de la prévention, on peut réaliser un traitement curatif. Donc il y a des médicaments, nos collègues des soins intensifs mettent en place diverses mesures pour essayer de réouvrir les vaisseaux par des médicaments qui passent par les veines. Si tout cela ne fonctionne pas, on peut être amené à traiter à nouveau le patient donc en endovasculaire, c'est-à-dire au bloc opératoire, en allant directement par l'intérieur des vaisseaux, soit mettre des médicaments directement dans les artères qui sont rétrécies pour essayer qu'elles se dilatent à nouveau et que le sang puisse passer, ou alors mécaniquement, en allant mettre des petits ballons qui sont prévus pour ça, à l'intérieur des vaisseaux pour les réouvrir. Malheureusement, dans la littérature actuelle, il n'y a pas de recommandation sur quel traitement utiliser, parce que très peu d'études ont été faites de manière prospective sur la comparaison des traitements, leur efficacité. Et donc, notre intérêt là est vraiment d'évaluer ça. Donc très rapidement, vous voyez ici, c'est en haut à gauche, une image de cerveau avec en blanc du sang. Donc le patient a du sang autour du cerveau et dans le cerveau. On voit ici un anévrisme. Ensuite, ça c'est une image d'artériographie ou avec des artères normales et sur le... Ouais, mince. Merci. Avec en bas à gauche donc un anévrisme qu'on voit ici en 3D, avec une artère, donc un tuyau, qui va se diviser dans d'autres petits tuyaux, et une poche borgne, qui est donc la poche où le sang est sorti des artères.
Donc l'intérêt, c'est de le traiter. Nous avons mis des coils ici, donc par l'intérieur, on passe des petits tuyaux, on vient mettre des dispositifs à l'intérieur, on le bouge par l'intérieur, et donc il est sécurisé, il n'est plus à risque de ressaigner. Donc malheureusement, c'est l'histoire que je vous ai racontée auparavant. Une semaine après, le patient qui allait mieux se dégrade à nouveau et donc ne peut plus bouger son côté gauche, ne peut plus parler, et donc un scanner cérébral est fait. Vous voyez ici des coupes donc, de perfusion cérébrale où on voit du côté gauche du cerveau une perfusion qui est normale et du côté droit en rouge. C'est des images qui veulent dire que le sang met beaucoup trop de temps à passer et donc il est ralenti. Le cerveau droit est donc hypoperfusé, ce qui explique les symptômes du côté gauche du patient. Donc cela malgré tous les traitements médicamenteux. Donc il est pris dans notre bloc opératoire pour faire un traitement endovasculaire. Et donc on voit ici des artères à nouveau normales avec un rétrécissement, donc le spasme de cette artère. Après injection de médicaments dans les artères directement, il y a une amélioration mais pas complète. Et donc on va être amené à mettre un ballon à l'intérieur de l'artère, dilater le ballon, puis le retirer pour récupérer un calibre complet et permettre au sang de passer complètement à nouveau de manière normale. Donc vous voyez, avant, après, le rétrécissement qui est complètement traité. Donc toutes ces complications graves qui arrivent après une rupture d'anévrisme et qui sont malheureusement encore mal comprises, mal traitées et pas sans trop de guidelines, nous ont amené donc à mettre en place des protocoles, un prospectif observationnel pour évaluer notre pratique à l'hôpital Erasme sous la direction du professeur Lubitsch pour évaluer la perfusion cérébrale dans cette pathologie, et le second pour comparer les deux traitements qui sont actuellement acceptés, le traitement chimique avec injection de médicaments dans les artères ou le traitement mécanique avec dilatation de ces artères par ballon pour essayer d'avoir une meilleure prise en charge dans le futur et d'essayer de produire des directives plus précises sur qu'est-ce qu'il faut faire ou pas en première intention. Est-ce qu'il faut aller vers un traitement médical pur dans les artères ou est-ce qu'il faut être plus agressif et donc prendre un peu plus de risques mais avoir un meilleur résultat en dilatant ces artères par l'intérieur, ce qui n'est pas actuellement réalisé comme comparaison, pardon. Donc ces deux protocoles ont été soumis et donc nous sommes en train d'inclure des patients normalement jusqu'à début 2024. Donc actuellement, pas mal de patients ont déjà été inclus avec actuellement plus d'une trentaine d'anévrismes rompus qui ont pu être inclus dans cette étude de manière observationnelle et interventionnelle, sachant qu'il est bien plus difficile de recruter des patients dans le bras interventionnel car il faut déjà que les patients acceptent, leur famille accepte évidemment, comme dans l'observationnel, et il faut que les patients soient éligibles avec pas beaucoup de critères que nous avons pour vraiment essayer de traiter une population très ciblée. Mais vous voyez que les résultats actuels montrent une amélioration qui paraît meilleure dans le bras mécanique, donc avec une angioplastie des vaisseaux, donc une dilatation par l'intérieur, que dans le bras chimique, mais qui est encore initial. Donc là, un deuxième exemple, très rapidement, où vous voyez donc du côté droit une hypoperfusion, donc plus de rouge que de bleu du côté gauche, liée à ce spasme de l'artère, avec un rétrécissement ici, vous voyez un calibre normal ici et un rétrécissement de ces artères, et une injection intra-artérielle de nimodipine, donc un médicament qui vasodilate les artères, qui permet d'améliorer nettement la perfusion et le calibre des vaisseaux après, mais vous voyez avec une récupération qui n'est pas complète d'une perfusion cérébrale normale. Donc les buts évidemment de ces protocoles, c'est d'améliorer le protocole d'imagerie et de suivi de ces patients, évaluer nos différents traitements endovasculaires qui sont actuellement pas très bien évalués et dont la pratique repose sur des preuves plus cliniques que vraiment plus empiriques que scientifiques, et essayer donc d'éviter potentiellement des complications et des aggravations de ces patients qu'on traite à la phase aiguë d'un anévrisme rompu, essayer de prévenir mieux et de traiter mieux les complications de la rupture d'anévrisme quand elles arrivent, pour aussi essayer de, si on voit certains patients qui ne répondent pas bien au traitement, dans le futur de ne pas les traiter au bloc opératoire, car on prend évidemment des risques en les traitant, et donc l'intérêt est aussi de mieux sélectionner les patients que nous traiterons dans le futur. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Maintenant, le professeur Véronique Delmarmol, titulaire de notre académie, a présenté le lauréat du prix Leslie Gentil ou Gentil. Le lauréat s'appelle Panagiotis Karas. Marmol, vous avez la parole. Monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le président, chers collègues, le prix Leslie Gentil est un prix dédié à la recherche sur les cancers de peau, dont le mélanome. Il est d'une valeur de 5000 euros et attribué tous les deux ans. Le prix Leslie Gentil est un prix scientifique créé par Madame Thaïs, veuve Gentil, qui désirait honorer la mémoire de son fils unique, décédé en 1996 des suites d'un mélanome. Ce prix devait être consacré principalement au cancer de la peau et en particulier au mélanome. Pour ce faire, la disposition testamentaire de feu Madame Thaïs Gentil attribuait une donation de ses biens à l'Académie royale de médecine de Belgique. Le prix du jury 2023 a été constitué par les professeurs Pierre Couly de l'UCL, Jacques Bonhiver de l'ULG et le professeur Ronald Kamp de l'Université de Mons et présidé par moi-même de l'ULB. À l'unanimité, le prix a été attribué à M. Panagiotis Karas pour son travail intitulé « Mechanistic Characterization of P62 as a Driver of Melanoma Metastasis ». Le docteur Panagiotis Karas est né le 14 septembre 1985 et est grec. Il a d'ailleurs acquis ses premiers diplômes scientifiques en biologie appliquée et biotechnologie à l'université de Ioannina en Grèce. Ensuite, il a complété sa formation et passé son PhD en biosciences moléculaires à l'université de Madrid chez Maria Sungas sur le sujet de la caractérisation de P62 comme un moteur de la métastase du mélanome. Il est resté à Madrid jusqu'en 2017 où il a rejoint le laboratoire de Jean-Christophe Marine à la KUL. Actuellement, il a plusieurs thèmes de recherche, dont l'hétérogénéité tumorale du mélanome métastatique, la dynamique clonale du mélanome par l'étude de la génétique des souris et de nouvelles approches dans le cancer de peau pour dévier les résistances thérapeutiques. Le docteur Karas a reçu de multiples prix et bourses depuis 2005, mais a noté qu'il a reçu la médaille de l'Académie en 2021. Il est l'auteur de multiples publications, dont on relèvera les authorships dans plusieurs manuscrits publiés dans Nature, dont le dernier en 2022, en premier auteur intitulé « A Cellular Hierarchy in Melanoma, Uncouples, Growth and Metastatic Phenotypes ». Au nom du jury, je félicite chaleureusement le Dr Karas pour son remarquable travail soumis dans le domaine du mélanome et je l'invite à parler. Thank you very much. First of all, I would like to apologize because I have to switch to English as well. My level of French is not yet enough to present our work. Dear President and dear members of the jury, I would like to thank you very much for giving me the opportunity to receive this prestigious award and to consider my nomination. And today I'm going to show you a piece of evidence regarding our recent work about metastatic in melanoma. It's not moving, just a second. Yeah. It's coming now. I think it's stuck. A small technical problem, sorry. Okay, now here it comes. Yes. So I'm going to present you a piece of evidence that we have generated the last few years regarding melanoma heterogeneity and how different cell populations in melanoma contribute to growth and metastatic dissemination. Of course, we all know that genetic events are the main drivers of cancer evolution. However, cancer can evolve through non-genetic mechanisms such as transcriptional reprogramming, epigenetic regulation, and metabolic rewiring. And this cooperation of genetic and non-genetic events can lead to inter- and intratumor heterogeneity. And a prime example of this inter- and intratumor heterogeneity is melanoma. Eventually, this heterogeneity can lead is a main driver of therapy resistance, and our lab previously has identified population of cells that are responsible for this resistance to targeted immunotherapy-based approaches. However, we still don't have an exhaustive view of cell state diversity in melanoma. And we address that by generating new genetically engineered mouse models that recapitulate the human pathophysiological disease. We generated a mouse model
that accounts for almost 30% of melanoma patients and develop tumors spontaneously during the lifetime. And a fraction of these mice is able to metastasize to distant organs. We isolated tumors from these mice and we subjected them to single cell RNA sequencing, and we now have evidence of every single cell of the transcript of every single cell. And nicely, we could see the identification of many different cell states that we and others have previously described, but also we identified a cellular state here highlighted in blue that was has not been reported before. These cells, after identification and a lot of different approaches, computational approaches, were identified that express many stem cell-like markers from embryonic development and is fully de-differentiated, didn't express any melanocytic markers, and the transcriptional profile of these cells was highly reminiscent with the transcriptional profile of a population of cells during neural crest formation in embryonic development. This data, together with others, suggested that this heterogeneity and the existence of this stem cell population can affect the growth of the tumor. And to address this, we cross this mouse model we have generated before with a multiclonal lineage tracing reporter, Confetti. With this mouse model, we have the capacity to trace every single cell over time and address the main question: if all the cells have the same capacity to expand in tumor, or only a fraction of cells is giving rise to tumor growth. And after using several mice and different time points and different growth sizes by labeling the cells, we could nicely see that the vast majority of the cells that we label, they don't contribute to growth, they don't proliferate, they just stay there, while a small fraction of clones that we label, they expand in hundreds or thousands of cells after tumor growth. This clearly demonstrates that melanoma tumors are following hierarchy and are not stochastically growing inside the melanoma ecosystem. And then we wanted to see if all this, there is a special pattern of these melanoma tumors, or these cells are randomly distributed inside a given tumor. We use different spatial approaches, and we here is an example of this, where we highlighted this pre-empty, this stem-like population that I showed to you before in our single-cell data, that is preferentially localized in close proximity to blood vessels and forms this the so-called known perivascular nisses that fuel presumably tumor growth. This population of cells is highly active and interacts with the tumor microenvironment, and one of the main components of the blood vessels, endothelial cells, when we isolate endothelial cells and we culture them together with melanoma cells, they give a proliferative advantage of melanoma cells in 2D cultures, 3D cultures, and also in vivo settings. By co-injecting melanoma cells with endothelial cells, we see a boost of proliferation of melanoma tumors. So we have identified the population of cells that presumably fuels tumor growth. It's one of the main populations that actively contributes to tumor growth. However, we wanted to address if there's any population of cells that actively disseminates and give rise to metastatic colonization of the tumors. By derogating again our single cell data, we identified this small population here highlighted in pink that has a lot of markers, that was expressing a lot of markers of epithelial to mesenchymal transition. These so-called mesenchymal-like cells have been suggested to be at the origin of metastatic dissemination in different solid tumors. And we identified a very specific gene regulatory network that is driving this cellular state by using different computational approaches. And this cell state is driven by the transcription factor PRX1, a known EMD inducer in development, but also in solid tumors. These PRX1 positive cells, these mesenchymal cells, are highly conserved in mouse tumors, but also in human melanoma biopsies. And after several experiments, we wanted to see what is the functional contribution of these cells. Do they really metastasize when we trace them in vivo? And we generated a third mouse model by crossing our classical melanoma mouse model with an allele of PRX1 to trace in vivo this population. By labeling the cells, first we saw that indeed we do label this mesenchymal population of cells. These cells are of mesenchymal origin. And more importantly, this population of cells does not contribute to growth. While we trace these cells, they don't have the capacity to expand. More importantly, we could see that this population of cells, or the vast majority of the cases, was localized deeper in the dermis, close to the invasive front.
And once these tumors metastasize to distant organs, they lose this mesenchymal phenotype, and they start to acquire a more proliferative phenotype, suggesting that they have switched an EMT to MET transition while they disseminate. Overall, what we have shown in this study is that this, we have mapped extensively the intratumor heterogeneity that is mainly driven by non-genetic events in mouse and in human biopsies. We know now that tumor growth follows hierarchy and non-stochasticity, and we have identified the population of cells of stem-like characteristics that are specially distributed in perivascular niches and fuel tumor growth. We know that the tumor microenvironment and especially endothelial cells trigger this melanoma differentiation and grow and give a growth advantage to melanoma tumors. And on the other hand, we have identified a mesenchymal population of EMT characteristics driven by PRX1 transcription factor that does not expand and drives metastatic dissemination during melanoma progression. Of course, as you can imagine, this is a team effort, and I would like to acknowledge several people that have contributed to this work, mainly my supervisor, Chris, that he's the driving force of the lab at VIB and KU Leuven, a lot of members of the lab that have helped me to improve my scientific career, collaborators at ULB and also external collaborators, and of course the funding that I receive to complete this study. And thanks a lot for your attention, and thanks a lot for receiving this award. J'invite maintenant le professeur Gauthier Remiche de l'hôpital Erasme ULB à présenter la lauréate du prix du professeur Christian Coers. Et avant ça, je voulais peut-être rendre hommage à madame la veuve de Christian Coers, madame Coers qui est décédée malheureusement durant l'été ici 2023. Et je voudrais lui rendre évidemment hommage ainsi que à son époux décédé il y a quelques années et qui a permis la concrétisation de ce prix. Donc ce prix du professeur Christian Coers sera remis à Sandra Coppens, qui va être présentée par Gauthier Remiche. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, chers membres de l'Académie, chers consoeurs, chers confrères, Mesdames et Messieurs, pour rappel, le prix du professeur Christian Coers a été fondé en 2011. Il est destiné à récompenser des travaux accomplis et ou des projets de recherche particulièrement brillants qui concernent de jeunes chercheurs travaillant dans les laboratoires et ou services hospitaliers universitaires de la communauté française, et ce, avec un sujet particulièrement ciblé qui est le sujet des maladies neuromusculaires. Sa pérennisation n'a été possible évidemment uniquement grâce à la générosité de Madame Coers de Marneff, à laquelle nous devons rendre hommage et qui est malheureusement donc décédée cet été. Il est constitué d'une dotation de 25 000 euros annuellement remis au lauréat, au laboratoire du lauréat plus précisément, afin de lui permettre de poursuivre ses recherches. L'âge limite pour postuler concernant ce prix est de 45 ans. Cette année, le jury du prix du professeur Christian Coers était composé tout d'abord d'un expert international, le professeur Bertrand Fontaine, directeur de l'Institut de myologie à Paris. Il était également constitué des membres suivants de l'Académie royale de médecine, le professeur Bernard Dan de l'ULB, le professeur Jean-Marie Melotto de l'UCL, le professeur Gustave Mounen de l'ULG et le professeur François Smet également de l'UCL. J'avais personnellement l'honneur et le plaisir de présider ce jury.
La lauréate sélectionnée cette année est le Dr Sandra Coppens. Elle est âgée de 41 ans. Elle dispose d'un CV de très haut niveau. Elle est détentrice d'un doctorat en sciences médicales réalisé entre 2015 et 2021 dans le domaine des myopathies, avec une approche particulièrement originale de génétique expérimentale. Elle est donc experte en génétique et myologie. Elle est également autrice de nombreuses publications de haut niveau, à savoir 13 publications, dont 3 comme premier auteur dans d'excellentes revues à haut facteur d'impact, telles que American Journal of Medical Genetics, Genetics in Medicine, Annals of Neurology et Nature. Son index H est actuellement déjà à 8. La plupart de ses publications concernent les maladies neuromusculaires et plus spécifiquement les myopathies. Le lien est donc évident avec ses compétences cliniques et les travaux scientifiques qu'elle a réalisés jusqu'à présent. Elle avait déjà obtenu le prix COERS en 2015, mais le règlement du prix n'exclut pas du tout l'octroi du prix plusieurs fois au même candidat. D'ailleurs, elle avait fait tout à fait honneur au prix octroyé en 2015, puisque c'est notamment grâce à ce prix qu'elle a eu la possibilité d'aboutir au niveau de ses travaux de recherche et de sa thèse de doctorat. Le laboratoire de génétique médicale de l'ULB auquel appartient le Dr Sandra Coppens, couplé au centre de référence neuromusculaire de l'ULB, est une structure solide et réputée qui est en parfaite adéquation avec les objectifs fixés. Le projet proposé par le Dr Sandra Coppens a pour objectif principal le développement de la génomique neuromusculaire au sein du centre génétique de l'ULB en y intégrant le séquençage du génome entier et du transcriptome musculaire. Actuellement, malgré les techniques les plus modernes utilisées en routine, plus de 40% des patients pour lesquels une étiologie génétique est fortement suspectée restent encore sans diagnostic génétique définitif qui puisse leur être offert. Les débouchés du projet proposé vont donc contribuer à améliorer le rendement diagnostique pour les patients neuromusculaires. Cet objectif est tout à fait cohérent avec l'esprit du prix COERS et prend tout à fait bien sa place dans le champ des recherches en cours dans le domaine. Félicitations encore à toi, Sandra. C'est un plaisir immense pour moi de te céder la parole pour nous en dire un peu plus quant à l'avancée de tes travaux. Merci pour cette introduction. Donc, je voudrais remercier les membres du jury et de l'Académie royale de médecine pour m'avoir octroyé pour la deuxième fois ce prix Christian Coers. Et je voudrais évidemment remercier Madame Micheline de Marneff et son époux Christian Coers pour avoir fondé ce prix. Donc, je vais vous présenter brièvement mon travail de thèse, donc, qui a abouti, comme vous le disiez, le docteur Remich à l'obtention d'une thèse de doctorat en 2021 à l'Université libre de Bruxelles. Donc, mon travail de thèse a consisté à identifier de nouvelles causes de myopathie de début précoce avec une approche intégrée d'analyse phénotypique étendue, de séquençage d'exomes et d'analyse chez le poisson zèbre. Donc, les myopathies de début précoce sont des maladies neuromusculaires qui peuvent se déclarer, donc, comme vous le voyez, dès la période fœtale, avec un tableau d'hypokinésie fœtale et de contractures qui sont présentes très précocement. Elles peuvent également se déclarer en période néonatale, avec un tableau d'hypotonie sévère et de faiblesse musculaire, mais également par un tableau de faiblesse respiratoire et de cardiopathie. Elles peuvent également se déclarer plus tard dans l'enfance chez des enfants qui présenteront des difficultés motrices avec également souvent des complications respiratoires et cardiaques. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le nombre de causes génétiques de myopathie identifiées dans les années précédentes a crû énormément. Et donc, au début de ma thèse, en 2015, il y avait déjà plus de 200 causes de myopathie génétique identifiées. Donc, on avait besoin d'une approche génétique qui permettait d'étudier un très grand nombre de gènes.
Alors, le diagnostic génétique de ces patients revêt une importance particulière pour plusieurs raisons. D'une part, elle constitue souvent la fin d'une très longue odyssée diagnostique, avec de nombreuses procédures parfois assez invasives, comme la biopsie musculaire ou l'électromyographie. Mais elle permet également le screening de complications spécifiques aux différents types de myopathie. Elle permet également le conseil génétique pour la famille et dans certains cas, on peut même proposer un diagnostic préimplantatoire aux parents de l'enfant pour éviter la naissance d'un nouvel enfant atteint. Et enfin, dans certains cas bien particuliers, elle permet l'accès à des protocoles de thérapie ciblée ou l'inclusion dans des registres de patients. Donc, pour développer cette approche, nous avons inclus 24 patients issus de 21 familles qui ont été recrutés dans 4 différents hôpitaux belges. Ces patients présentaient une myopathie de début précoce avec une mise au point génétique qui était restée négative jusque-là. Nous avons proposé un séquençage de l'exome entier. Donc, le séquençage de l'exome constitue un séquençage de l'ensemble des séquences codantes de nos 20 000 gènes. Et grâce à une approche bioinformatique, nous avons filtré l'ensemble des variants identifiés. Comme vous le voyez, cette approche nous a permis d'identifier chez un grand nombre de patients des mutations dans des gènes connus de myopathie. Pour deux patients, nous avons également pu élargir le spectre phénotypique associé aux mutations dans des gènes qui étaient déjà connus, mais pour lesquels les tableaux cliniques que nous avions identifiés étaient nouveaux. Et vous pouvez voir également que mon travail de thèse nous a permis d'identifier de nouveaux gènes qui n'étaient pas encore connus comme étant associés à des myopathies, et ceci grâce à des collaborations internationales. Donc, je vais vous parler plus en détail du gène JAK2. Donc, mon travail de thèse m'a permis d'identifier une famille avec deux enfants atteints d'une myopathie de début précoce qui n'avait pas de variant génétique dans des gènes connus, mais nous avions identifié des variants bialéliques dans le gène JAK2. Alors, grâce à la plateforme d'échange Matchmaker Exchange qui permet à des généticiens un peu partout dans le monde de partager des informations sur des patients avec des mutations dans d'éventuels gènes candidats, nous avons recruté une cohorte de 23 patients issus de 13 familles qui présentaient tous des variants bialéliques, donc sur les deux copies du gène JAK2. Donc, ces patients étaient issus de nombreux pays différents et partageaient un tableau clinique similaire avec une faiblesse musculaire progressive qui touchait les membres et le squelette axial. Cette faiblesse débutait dans l'enfance ou à l'âge adulte jeune. Elle débouchait chez 35% de ces patients à une perte de la marche. Nous avons identifié que ces patients présentaient dans un grand nombre de cas des signes de faiblesse des muscles respiratoires qui étaient toutefois asymptomatiques. Ils présentaient des rétractions, une scoliose ou d'autres anomalies au niveau du squelette axial. Et dans 35% des cas, ils présentaient également une atteinte cognitive et 17% des cas, une atteinte cardiaque. Donc, grâce à cette cohorte, nous avons pu identifier un pattern d'atteinte musculaire à l'IRM. Donc, il faut savoir que, de manière peu intuitive, tous les muscles ne sont pas atteints de la même manière lors des myopathies. Et donc, les différents types de myopathies peuvent être identifiés grâce à des patterns d'atteinte spécifiques à l'IRM musculaire. Et donc, dans notre cohorte de patients, on a pu identifier un pattern assez spécifique qui nous permet d'orienter le diagnostic génétique de ces patients. Et donc, nous avons publié en 2021 un article dans l'American Journal of Human Genetics reprenant la description clinique et génétique de ces patients, donc qui nous a permis de trouver une nouvelle forme de dystrophie musculaire des ceintures qui a depuis lors été intégrée dans la classification internationale.
Voilà, donc comme vous le disait le docteur Remich, nous espérons au sein du laboratoire de génétique de l'ULB pouvoir intégrer les approches de séquençage du génome entier et du transcriptome afin de trouver un diagnostic génétique pour les patients qui n'auraient pas encore eu un diagnostic grâce au séquençage d'exome. Et donc, je tiens à remercier les patients et leurs familles, mes collaborateurs, ma promotrice, le docteur Kathleen Villain, et mes copromoteurs, le docteur Sabine Costagliola et le docteur Nicolas De Koning, pour leur soutien pendant ma thèse. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Professeur Nathalie Delzent, membre titulaire de notre académie, qui va vous présenter le lauréat du prix scientifique du docteur et madame Kuipers van Eekhout, consacré à l'environnement et à la santé. Le lauréat, c'est Nicolas Bruffars. Alice, s'il te plaît. Je vous remercie, monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel, chers et chers collègues et mesdames et messieurs. Le prix docteur Kuipers et madame Kuipers van Eekhout, environnement et santé, spécialement établi au sein de la Fondation Roi Baudouin, soutient des recherches visant à analyser l'impact des facteurs environnementaux sur la santé. Le jury 2023, que j'ai eu l'honneur de présider, était composé des professeurs Bart Lambrecht comme secrétaire et Rick Gosselink pour la KGB et de la professeure Cécile De Clercq qui m'a épaulée comme second membre de l'ARMB, ainsi que de Paul Gosselin, président de la cellule nationale Environnement et Santé. Parmi les trois dossiers, très bons dossiers, le jury a décidé à l'unanimité de récompenser par le prix Kuipers van Eekhout en environnement et santé le travail du docteur Nicolas Bruffarts. Son activité de recherche et de service vise à étudier l'exposition au pollen et aux spores fongiques allergisants en analysant plus avant son impact sur la santé et l'évolution du phénomène en réponse aux changements climatiques qui, vous le savez, sont d'actualité. Après avoir obtenu un diplôme de bio-ingénieur en chimie et bio-industrie à l'Université libre de Bruxelles, il a embrassé la carrière de chercheur et a défendu en 2015 une thèse de doctorat dans la même université, doctorat en sciences biologiques avec option immunologie, sous la direction de la professeure Muriel Moser. Le docteur Nicolas Bruffarts a poursuivi une formation internationale en aérobiologie financée par des grants européens. Il est actuellement responsable de l'unité d'aérobiologie de Sienzano et y développe une recherche transversale et multidisciplinaire sur la qualité biologique de l'air extérieur en mettant l'accent sur les pollens et les spores en tant qu'allergènes. Il s'attelle également, avec les membres de son équipe, à élaborer une méthodologie de prévision des risques pour la santé liés à l'exposition à ces facteurs environnementaux. Son curriculum vitae fait état de 33 publications qui sont en lien direct avec son activité de recherche, avec des travaux largement cités. Notons qu'il est également co-auteur de 3 rapports fédéraux qui étayent les données sur l'allergie, la santé respiratoire, la biodiversité et l'évolution climatique en Belgique, rapport dont il a présenté le contenu dans des congrès internationaux et lors de réunions de réseaux européens dans le domaine. Je félicite chaleureusement, au nom du comité, mais également au nom des 2 académies, le docteur Nicolas Bruffarts et je l'invite à venir présenter ses travaux.
Merci beaucoup pour l'introduction. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues, mesdames et messieurs, d'abord, je vous remercie de votre invitation. C'est un plaisir d'être ici pour vous expliquer brièvement des enjeux globaux de la recherche en aérobiologie dans un contexte où le dérèglement climatique affecte toute une série de variables dont la végétation est sensible. Vous reconnaissez certainement cette figure qui est constamment montrée par les climatologues. Cette augmentation de la température est évidemment observée aussi ici en Belgique et elle a plusieurs conséquences directes sur la reproduction des plantes, notamment celle dont la stratégie est de produire et d'émettre d'énormes quantités de pollen pour augmenter leurs chances de féconder d'autres plantes de la même espèce dans les environs. C'est ce qu'on appelle les plantes anémophiles. Malheureusement, certaines espèces produisent du pollen allergisant qui peut affecter la santé d'une large proportion de la population. Et malheureusement aussi, nos observations ont mis en évidence une augmentation assez nette, je pense même du fond de la salle, pour toute une série de plantes allergisantes, dont l'aulne, le noisetier et le bouleau, qui sont donc trois arbres de la même famille, qui sont considérés comme des aéroallergènes importants en Belgique. Alors, dans notre pays, cette augmentation est surtout due à un effet à court terme sur le comportement des plantes. Les années météorologiques extrêmes ont tendance à induire une augmentation de la production de pollen, avec même un effet sur la production des années suivantes, et donc un dérèglement du cycle de production pollinique par ces arbres, qui jusqu'à il y a peu étaient encore assez réguliers, comme vous pouvez le voir sur les histogrammes. Et à plus long terme, il y a aussi le fait que les zones de distribution des plantes se déplacent progressivement sous la pression climatique. Donc plusieurs études l'ont observé, même modélisé à plus large échelle spatiale. Les fronts de distribution de certaines plantes allergisantes tendent à remonter vers le nord ou en altitude. Les conditions climatiques changeantes sont parfois aussi propices à l'expansion de plantes invasives. Et je pense que l'exemple le plus emblématique est celui de l'allergie émergente liée à l'ombroisie et à son pollen très allergisant et qui envahit maintenant l'Europe depuis plusieurs décennies et qui arrive même aux portes de la Belgique où nous mesurons à Cienzano chaque année des petites quantités de pollen dans l'air, mais de manière très régulière maintenant. Et parfois même avec des anomalies, avec des concentrations qui sont plus élevées, simplement à cause de pollen qui est importé depuis ces pays voisins qui sont nettement plus envahis. Enfin, le dérèglement climatique impacte le timing de la floraison et donc celui des saisons polliniques. Certaines saisons, comme celle du chêne, ici en Belgique par exemple, ont progressivement tendance à commencer plus tôt, mais aussi à terminer plus tôt. Donc on a un véritable shift, un véritable déplacement dans le calendrier. Et pour d'autres plantes, comme les graminées, nous observons une avancée de la saison, alors que la date de fin ne varie pas significativement sur le long terme. Et donc, résultat, la saison des graminées a tendance à durer plus longtemps. Ces changements de timing ont des conséquences réelles pour les médecins, pour les systèmes de santé, parce que, un, vous savez que les programmes de désensibilisation tiennent compte de l'exposition saisonnière du patient et donc du calendrier. Et deux, des saisons plus longues impliqueraient une consommation médicamenteuse plus élevée par la population allergique et donc une dépense plus élevée pour les soins de santé. Voilà donc comment je résumerai grossièrement la situation et la thématique de nos recherches en relation avec le climat. Et il est tout à fait possible de retrouver nos études qui sont pour la plupart publiées dans des journaux en accès libre. Je me dois d'insister sur le fait que ces études et celles qui seront encore à venir ne sauraient exister sans qu'il n'y ait des séries temporelles de données d'observation suffisamment longues sur une échelle climatique. Ça veut dire au grand minimum 3 décennies. Celle de Bruxelles a maintenant plus de 40 ans et elle a été permise grâce au travail continu et minutieux de mes prédécesseurs au fil des transformations historiques de notre institut que vous voyez ici. À l'époque, la Belgique a été un pionnier européen en matière de surveillance aérobiologique et avec le temps, le réseau belge de surveillance aérobiologique a malgré tout gagné en stabilité grâce au soutien des 3 régions qui financent maintenant 5 stations de mesure, 2 en Flandre, 2 en Wallonie et 1 en région bruxelloise.
et je n'aurai évidemment pas le temps de vous expliquer en détail la formidable collaboration que nous tenons avec l'Institut Royal Météorologique, qui a développé ces dernières années un modèle d'émission et de dispersion des pollens qui, une fois validé par nos données d'observation, a pu rétrospectivement combler tous les trous que vous voyez, les trous dans les observations, à la fois temporellement et spatialement. Et le plus gros intérêt de ce modèle, c'est qu'il permet aussi de prédire l'exposition au pollen jusqu'à 3 jours à l'avance. On a donc là un nouvel outil qui s'avère être relativement fiable pour la prévention des allergies, pour le moment au pollen de bouleau et des graminées, en attendant que son application puisse être étendue à d'autres aéroallergènes, d'autres types de pollen, voire de spores fongiques allergisantes. Et enfin, je terminerai sur le fait que la surveillance aérobiologique est à l'aube d'une nouvelle ère, d'un point de vue méthodologique, celle d'une transition d'une méthode rétrospective et manuelle de comptage des pollens par microscopie, c'est vraiment notre travail de tous les jours au laboratoire, à une méthode qui est automatisée et en temps réel grâce à l'avènement d'une nouvelle génération d'appareils de détecteurs de bioaérosols dont l'intelligence artificielle peut apprendre à identifier toute la diversité des particules biologiques que nous respirons, que vous respirez. Autant dire que le changement technologique est drastique et le challenge est énorme pour que les séries temporelles restent comparables et pour que la méthode soit normalisée. Et donc le programme européen Autopollen auquel nous participons a récemment publié plusieurs articles scientifiques à ce sujet auxquels je vous réfère. Et un tout premier appareil a été installé en Belgique sur le site de Cienzano à Ixelles. C'est celui sur la photo, avec des résultats préliminaires des saisons 2022 et 2023 qui sont assez prometteurs et qui devraient bientôt être publiés. Voilà, encore une fois, bien que ce prix soit remis à titre individuel, c'est surtout la reconnaissance d'un travail collectif de plusieurs décennies, voire de plusieurs carrières. Je tiens à remercier toute mon équipe, ma chef de service, Anne Paqueux, mes collègues, le docteur Raffart, tous nos collaborateurs dans ce travail multidisciplinaire. Et alors particulièrement au docteur Olivier Denis, mon ancien collègue de service au service immunologie de Cienzano, qui m'a particulièrement soutenu pour cette candidature. Merci beaucoup pour votre attention. Mounen, membre honoraire de notre compagnie, qui va vous présenter le prix de la Fondation AstraZeneca qui a été décerné à Serge Schiffman. Monsieur Mounen. Bien. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, les académies royales de médecine et l'industrie pharmaceutique partagent l'ambition commune de prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies humaines et leurs symptômes. C'est la raison même de la collaboration entre les académies et la société AstraZeneca et c'est le fondement du prix biennal AstraZeneca dont j'ai l'honneur ce matin d'introduire le lauréat francophone. Je dois toutefois mentionner aussi le lauréat néerlandophone, le professeur Patrick Verstraeken, auteur d'une contribution impressionnante à la compréhension du mécanisme par lequel la protéine tau pathologique, impliquée dans plus de 20 types de démence, bloque la transmission synaptique et comment, du moins sur des modèles expérimentaux, il est possible, en interférant avec ce mécanisme, d'abolir le déficit cognitif. Cette recherche est à l'orée de l'application thérapeutique. Même si, à titre personnel, je crois que la complexité de ces maladies rend illusoire une monothérapie, mais ça, c'est un autre débat. De façon étonnante, mais après tout logique, cette double paternité, économique s'agissant d'AstraZeneca, scientifique s'agissant de la RMB, explique qu'en quelque sorte, le prix est remis 2 fois. La première, il y a quelques semaines, à l'initiative d'AstraZeneca, la seconde, aujourd'hui, à l'initiative de l'Académie. Mais Serge, rassure-toi, si la remise du prix est doublée, ce n'est pas le cas de son montant,
qui est toutefois important, 50 000 euros. Serge Schiffmann est diplômé docteur en médecine, chirurgie et accouchement à l'Université libre de Bruxelles en 1986 et agrégé de l'enseignement supérieur en 1992. Ces deux titres n'existent plus, au tempora, au mores. Serge Schiffmann a commencé sa carrière au FNRS étant successivement aspirant, chargé de recherche, puis chercheur qualifié, pour ensuite entrer dans la carrière académique et en gravir les échelons, devenant en 2009 professeur ordinaire. Il est aussi actuellement directeur de l'Institut de neurosciences de son université et de 1992 à 1994, il a séjourné à l'Institut Alfred Fessard à Gif-sur-Yvette, au sud de Paris. Serge est un scientifique de grand talent et de grande renommée, auteur de plus de 150 publications de très haut niveau et abondamment cité. Il est aussi un maître, c'est-à-dire un allumeur et un meneur de talent. La synthèse qu'il a soumise pour ce prix est intitulée « Décoder les réseaux neuronaux des ganglions de la base pour comprendre les maladies des mouvements et des motivations ». Les ganglions de la base font en effet partie de réseaux neuronaux complexes au point de plonger les étudiants dans des abîmes de perplexité. Ils sont au centre de nombreuses maladies, certes là et en fait selon moi les maladies de Parkinson, mais aussi ce que l'on appelle les parkinsonismes, la maladie de Huntington et bien d'autres maladies qui affectent l'apprentissage et le contrôle de la motricité, de l'affectivité et des états motivationnels. Cette recherche est de longue haleine. L'évolution des concepts dans cette recherche est à elle seule une histoire. Elle a permis l'identification des réseaux neuronaux, mais aussi des mécanismes cellulaires et moléculaires qui conduisent aux symptômes de ces affections, qu'ils concernent les hypos aussi bien que les hyperkinésies, les troubles comportementaux et motivationnels, par exemple les maladies du spectre autistique, ou encore les addictions, qui apparaissent désormais comme des maladies qu'il faut prévenir et soigner, et non des délits qu'il faut poursuivre et punir. Il ne faut jamais confondre victime et coupable. C'est, vous l'aurez deviné, un très grand plaisir pour moi d'introduire un ami de longue date qui, bien mieux que moi, vous fera comprendre la décision unanime du jury important, 10 membres, issus des deux académies de médecine. Et je remercie ce jury qui a étudié 21 candidatures. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers et chers collègues, et Monsieur le Président du jury, cher Gustave, je voudrais tout d'abord te remercier pour ces mots extrêmement élogieux, d'avoir aussi rappelé par les différents titres qui ont disparu que je ne suis plus tout à fait dans la même catégorie d'âge que l'ensemble des lauréats que nous avons eus jusqu'ici, mais je voudrais vraiment remercier le jury d'avoir reconnu les travaux qui sont les nôtres. Ce sont, et je reviendrai là-dessus, les travaux de toute une équipe, bien évidemment. Alors, comme... C'est ici, oui. Donc, comme M. Monnen l'a indiqué, nous nous sommes intéressés au cours des années précédentes à un ensemble de structures cérébrales que sont les noyaux de la base. Ces noyaux de la base qui constituent un réseau de structures qui sont impliquées, comme le professeur Monnen vient de l'indiquer, dans d'une part le contrôle et l'apprentissage moteur, mais également dans toute une série d'autres fonctions de type motivationnel et comportemental. Ces structures sont ici illustrées dans cette imagerie par résonance magnétique nucléaire avec un overlay en couleur, et je vous demanderai de retenir peut-être deux noms parmi l'ensemble de cette structure à ce stade, qui sont d'une part le striatum, qui peut lui-même être sous-divisé en différentes structures sur lesquelles je ne reviendrai pas trop en détail, et d'autre part la substance noire. Alors, le modèle d'étude qui est le nôtre au laboratoire est essentiellement un modèle de rongeurs, et pour faire le lien avec ce que ces structures sont présentes dans le cerveau du rongeur, vous avez ici
une coupe illustrative d'un télencéphale de souris qui nous montre que l'on peut sous-diviser la principale structure de ce système d'anneaux de la base, qui est le striatum, qui est la structure d'entrée, qui va être à l'origine de l'ensemble des voies de connexion de ce système. On peut sous-diviser ce même striatum en deux parties principales, que sont le striatum dorsal, lui-même potentiellement sous-divisable encore en différentes régions, je passe le détail, qui sont impliqués dans le contrôle moteur, le contrôle et l'apprentissage moteur, ce qu'on va appeler également la mémoire procédurale. Et ces régions dorsales de ce striatum vont recevoir leur input, leur afférence dopaminergique de la substance noire pars compacta. D'autre part, l'autre partie de ce système est constituée de ce qu'on appelle le striatum ventral ou l'accumbens, ici en jaune, et qui lui est innervé principalement par des régions corticales de type limbique et qui va donc être impliqué essentiellement dans les processus de motivation et de récompense et donc ces processus qui vont nous amener à générer un comportement et à renforcer un comportement par cet apprentissage, par renforcement. Et cette région reçoit ces informations d'une autre partie, d'une autre sous-région dopaminergique du mésencéphale que l'on appelle l'aire tegmentale ventrale. Le professeur Monen nous l'a déjà indiqué, ce système est impliqué dans toute une série, est affecté plutôt dans toute une série de pathologies, certaines qui sont caractérisées par des troubles du mouvement à titre principal. Je vais donc suivre l'avis d'un de mes maîtres, et donc il s'agit de les maladies de Parkinson et donc pas de la maladie de Parkinson, dont vous savez qu'elle est caractérisée par une dégénérescence des neurones dopaminergiques de la substance noire pars compacta, mais il y a toute une série d'autres pathologies qui sont caractérisées par des troubles du mouvement et qui affectent elles également ce système des noyaux de la base. D'autre part, cela a été également souligné par le professeur Monen, ce système peut être affecté dans des pathologies qui sont plutôt présentes dans le spectre psychiatrique. On a cité les addictions et effectivement c'est probablement la maladie psychiatrique prototypique affectant ce système, qui est donc initialement lié à une hyperactivité de l'input dopaminergique qui va de l'aire tegmentrale ventrale vers le noyau accumbens, mais ce système a été également impliqué dans toute une série d'autres maladies psychiatriques à titre principal ou à titre complémentaire. On peut citer la schizophrénie jusqu'à, y compris, un certain nombre de troubles dans le spectre de la dépression. Alors, ce système des noyaux de la base, il est constitué d'un certain nombre de structures et ces structures sont évidemment connectées entre elles. Je vous passerai trop de détails. Le professeur Monen a fait allusion à l'embarras des étudiants qui sont confrontés à mes diapositives et qui l'ont été aux siennes probablement en leur temps. Mais je vais donc simplement résumer en indiquant que ce striatum va donner naissance à deux voies de projection. Deux voies de projection qui sont en fait issues de deux populations de neurones distincts au sein de ce striatum. Les uns qui sont ici en rouge, que l'on va appeler les neurones de la voie directe, et qui ont un effet qui va être net, et je résume, je simplifie, un effet net qui est activateur et qui exprime un récepteur spécifique de la dopamine qui est le récepteur D1. Et puis une autre voie que l'on va appeler la voie indirecte, ici en bleu, que l'on va appeler donc les ISPN par ailleurs, et qui va avoir un effet net qui est plutôt inhibiteur et qui exprime le récepteur D2 de la dopamine. Ça fait bien longtemps en fait que cette identification a eu lieu, elle a été à la base de ce qu'on a appelé le modèle classique, le modèle antagonistique classique du système qui promeut le fait que les neurones directs sont en fait prokinétiques, vont favoriser le mouvement, alors que les neurones de la voie indirecte vont plutôt avoir un effet qui est un effet antagoniste du mouvement, inhibiteur du mouvement. Nos objectifs ont été de caractériser au cours de nos études, de nos travaux, de caractériser mieux les fonctions de ces différentes populations de neurones, et il y en a d'autres sur lesquelles je passerai, et donc de pouvoir identifier les propriétés, les fonctions de ces neurones et des réseaux de connexion auxquels elles donnent naissance, ceci dans des situations normales, mais également dans le cas de modèles de pathologie, donc de dysfonction cérébrale. Alors, je voudrais illustrer ça par deux ou trois aspects que nous avons identifiés. Le premier, c'est l'identification de la présence et de la fonction de
d'un récepteur particulier que l'on appelle le récepteur A2A de l'adénosine dans le cadre de modèles de maladie de Parkinson. Nous avons identifié ce récepteur au cours d'un certain nombre de travaux comme étant présent spécifiquement dans une des populations de neurones de ce striatum, qui est donc ceux de la voie indirecte. Et sur base d'un certain nombre d'analyses et d'études fonctionnelles, nous avons proposé, avec d'autres, que des antagonistes de ce récepteur pourraient constituer une plus-value dans le cadre du traitement des maladies de Parkinson ou de certaines de ces maladies de Parkinson. Vous voyez ici qu'un congrès, il y a déjà un moment, a été consacré spécifiquement à cette hypothèse. En fin des années 2010, une première étude clinique menée par essentiellement sur base du développement d'une molécule par une compagnie japonaise a mené une étude clinique qui a donné des résultats positifs. Et ce n'est en fait qu'il y a quelques années, en 2019, que la FDA, sur base de 4 autres études cliniques qui montraient une amélioration du ratio entre période on et off dans le cadre de la maladie de Parkinson, cette FDA a approuvé cette molécule et l'a mise sur le marché. Ça avait été déjà approuvé quelques années auparavant au Japon. Le deuxième volet de travaux que je voudrais illustrer sont liés à cette identification de fonctions spécifiques et donc de possibilités de targeting spécifique de ces populations neurones ou de gènes qui sont exprimés par ces populations neurones. Ceci a été rendu possible par le développement de souris transgéniques spécifiques permettant l'expression ou l'inactivation conditionnelle et également par le développement et l'obtention d'un certain nombre de virus, de vecteurs viraux. La première chose que nous avons établie est le rôle inhibiteur que vous pouvez voir sur ce petit film, le rôle inhibiteur dans le comportement moteur des neurones de type ISPN, puisque des souris qui sont déficientes en ces neurones présentent une hyperactivité, vous pouvez voir de manière très aisée par rapport à leur souris contrôle dans le compartiment de Golgi. Ceci était relativement attendu. Par contre, ce qui n'était pas attendu, et que je résume en un mot sans rentrer dans le détail des graphiques, c'est le fait qu'une ablation spécifique de ces neurones dans la partie plus limbique de ce système donnait lieu à une augmentation du comportement de type addictif. Je résume, donc une augmentation de la volonté de l'animal à aller consommer une drogue comme l'amphétamine, et donc montrant que ces neurones, spécifiquement dans le striatum ventral, pouvaient inhiber le renforcement, l'addiction à la drogue et donc les processus addictifs constituant dès lors une potentielle cible dans le traitement de ces affections. D'autre part, nous avons, par des approches de profiling génétique, nous avons identifié une série de gènes spécifiquement exprimés soit dans une population, soit dans l'autre, et nous avons, pour certains d'entre eux qui étaient totalement inconnus dans le système, et en tout cas inconnus comme étant sélectivement exprimés par une population bien spécifique, nous avons déterminé le rôle, à nouveau, par des méthodes d'inactivation spécifiques dans la population de neurones considérés, et je cite ici 3 travaux qui ont permis de caractériser la fonction spécifique de 3 de ces gènes, en particulier dans les comportements d'apprentissage moteur. Et donc pourrait constituer, une fois encore, des cibles thérapeutiques. Et enfin, je voudrais terminer en soulignant ici la contribution absolument majeure de 2 mandataires FNRS chercheurs extrêmement brillants au laboratoire, qui sont Alban de Kerckhove et Patricia Bonavion. Je voudrais illustrer ici la mise en place d'une technique extrêmement prometteuse et fournisseuse de résultats impressionnants, qui est la technique d'optogénétique, qui permet d'exprimer de manière spécifique dans des populations de neurones bien déterminées, bien identifiées,
des canaux ou des pompes qui sont photoactivables, qui sont en fait issus de micro-organismes, et qui permet de contrôler l'activité neuronale dans une fenêtre de temps tout à fait physiologique. Et l'on a ici un exemple sur ce premier schéma de contrôle à différentes fréquences de la possibilité de générer un potentiel d'action de manière tout à fait conforme à ce qu'est un potentiel d'action physiologique ici dans une population de neurones du striatum. On peut aussi ex vivo générer une transmission synaptique et donc modifier le réseau de neurones en termes synaptiques, et puis in vivo, et c'est évidemment ce qui nous intéresse de manière ultime, on peut modifier l'activité de populations bien spécifiques de neurones par cette technique d'optogénétique. Je vous donne un exemple ici qui a été un exemple en fait pilote qui nous a donné un résultat attendu par ailleurs, mais voici une souris dans laquelle on a exprimé une de ces channel rhodopsines dans une des populations de neurones du striatum. Et lorsque, puisqu'elles sont photoactivables, on amène de la lumière par un laser implanté dans la région déterminée, le comportement de l'animal va changer. Ici, il se met à générer un comportement de type circling, donc de rotation, qui est bien le comportement auquel on peut s'attendre. Et cette approche va nous permettre et nous permet maintenant de pouvoir identifier un certain nombre de mécanismes à l'échelle des réseaux de neurones dans le cerveau de ces animaux, en particulier, donc, bien évidemment, dans les noyaux de la base qui nous intéressent, et donc de pouvoir identifier des futures cibles pour un certain nombre de thérapies futures. C'est évidemment nos espoirs. Et je ne peux pas, évidemment, conclure sans remercier l'ensemble des membres de laboratoire actuels et passés qui ont contribué à un certain nombre de ces travaux et d'autres que je n'ai pas eu le temps de résumer ici, et souligner une fois encore la contribution absolument majeure d'Alban de Kerckhove et Patricia Bonavion, donc mandataire FNRS au laboratoire, pour un certain nombre de travaux que j'ai évoqués jusqu'ici. Et j'en reste là en vous remerciant pour votre attention. Last but not least, j'invite maintenant le professeur Nathan Klumek, membre titulaire de notre académie, à vous présenter les lauréates du prix et bourse Dubois-Briguet pour la pathologie tropicale. Il s'agit de Lene de Lang et de Adwin Van Lesbroek. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues, mesdames et messieurs, il s'agit d'un prix conjoint de notre académie et de la KAGB, financé par la Fondation Dr. Albert Dubois. Le jury conjoint a été composé de 6 membres, 3 membres désignés par la KAGB et 3 membres désignés par notre académie. Greet Leven était secrétaire, Peter Piot et Joseph Verkreus ont été désignés par la KAGB. Françoise Portals et Étienne Païs et moi-même comme président ont été désignés par notre académie. Les deux académies ont reçu 6 candidatures. Toutes les candidatures ont été considérées comme étant de très haute qualité. Le jury a choisi néanmoins à l'unanimité d'attribuer le prix Dubois-Briguet 2023 à Lene de Lang pour son projet Stratégie de lutte contre les infections par des virus transmis par les moustiques. Ce travail innovant et compétitif au niveau international combine recherche fondamentale et recherche appliquée, qui peuvent éventuellement déboucher sur de nouvelles interventions et thérapies. Les travaux de Lene de Lang et son groupe de recherche visaient à identifier des molécules antivirales ayant une puissante activité anti-chikungunya, anti-Zika, et à caractériser leur mécanisme d'action. Elle a ainsi découvert une nouvelle cible antivirale pour le chikungunya, l'enzyme de coiffage NSPA.
De plus, son groupe de recherche a également étudié une autre stratégie, celle des antiviraux à large spectre, capables d'inhiber plusieurs familles de virus. Le Fapipravir est l'un de ces médicaments à large spectre. Cette activité antivirale à large spectre est très pertinente et ouvre des perspectives non seulement pour les virus transmis par les moustiques, mais également pour éventuellement conduire à de nouvelles thérapeutiques pour d'autres familles de virus. Concernant la bourse du bois brigué, les deux académies ont reçu 3 candidatures, toutes recevables et de haute qualité. Le jury, à l'unanimité, a décidé de considérer Adwin Van Vliesbroek comme la meilleure candidate et de lui octroyer ce prix. Pour la proposition de recherche, influence de la biodiversité et du changement climatique sur le risque de maladies transmises par les moustiques en Europe. Le candidat est jeune, à 29 ans, possède déjà une grande expérience dans le domaine et compte 11 publications, dont 2 en tant que premier auteur. Le projet de thèse est clairement d'une grande actualité, car le changement climatique constitue, comme on l'a vu pour une autre présentation, un défi majeur pour la biodiversité et la santé, et en particulier les maladies à transmission vectorielle, pouvant devenir de plus en plus importantes en Europe dans les années à venir. Le projet de thèse est original à plusieurs égards. La recherche proposée sera la première à étudier la corrélation entre les interactions interspécifiques de 3 espèces vectrices, Aedes albopictus, Aedes japonicus et Culex pipiens, et leurs compétences vectorielles respectives dans diverses conditions climatiques. Cela permettra une meilleure estimation conceptuelle de la façon dont les diversités des microhabitats façonnent le risque relatif de maladies transmises par les moustiques en Europe à l'avenir. Les prédateurs naturels des culicidés seront également étudiés dans le cadre de la lutte biologique contre les moustiques. Voici les 2 lauréats étant néerlandophones. Leur cérémonie et la photo souvenir aura lieu par une 2e cérémonie qui sera organisée par la KAGB plus tard. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Klumek, pour cette présentation. Donc, je voudrais, en tant que président, tout d'abord féliciter tous les lauréats des prix. Je crois que les exposés étaient tout à fait remarquables. Je voudrais également remercier pour l'énorme travail tous les membres du jury, et notamment pour les présidents des jurys qui auront non seulement dû coordonner les discussions et faire la synthèse et puis préparer le document qu'ils vous ont brillamment proposé aujourd'hui. Je cède maintenant la parole à notre secrétaire perpétuel pour quelques commentaires. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Moi aussi, je voudrais encore remercier à la fois les lauréats, les promoteurs et les jurys pour la qualité extraordinaire du travail et la vitalité vraiment remarquable que cette cérémonie aujourd'hui montre dans la recherche scientifique, aussi bien des jeunes que des plus âgés. C'était vraiment une séance que moi j'ai énormément appréciée, y compris par la diversité des sujets évoqués. Je voulais aussi à cette occasion-là souligner l'importance de l'initiation à la recherche scientifique qui devrait se faire, je dirais, ou en tout cas l'initiation à la méthode scientifique déjà chez les enfants, dans le secondaire, peut-être même dans le primaire, parce que finalement, on voit que c'est une transmission, c'est finalement un passage de flambeau entre des gens plus âgés et des gens plus jeunes. Et il y a une très belle phrase, très simple, de Jules Michelet, auteur de l'Histoire de France, qui disait que l'enseignement, c'est une amitié. Et c'est vrai qu'au début, il y a entre le promoteur et l'élève à la fois une congruence de vue sur la manière de travailler, et puis il y a une amitié qui se fait progressivement après qu'il y ait eu d'abord du respect et de l'émerveillement pour chacun d'eux, je dirais, mutuellement. Et donc c'est un processus très humain et je pense qu'il faut privilégier toujours ces relations humaines. J'ai été très impressionné il y a 2 semaines par l'ouverture
à l'hôpital Necker enfants malades d'une consultation pour enfants de moins de 4 ans qui sont addicts aux écrans à plus de 6 heures par jour et qui sont des enfants qui sont pratiquement devenus, en tout cas dans leur comportement, comme des autistes. Je pense que de s'asseoir dans un fauteuil avec un livre et un enfant, ça reste quelque chose d'extraordinaire, de s'en aller dans les chemins en promenade avec lui ou elle et de lui apprendre ce que chaque feuille correspond comme arbre, est aussi un des devoirs des plus âgés vis-à-vis des plus jeunes, et ça vaut pour la science. Je vais vous inviter maintenant à gagner la salle des marbres. Nous allons vous offrir un apéritif, mais juste avant ça, et ne pas l'oublier, je demanderai aux promoteurs présents, aux lauréats présidents de jury, de passer dans mon cabinet juste à côté pour une photo souvenir. Et je voudrais également vous inviter, puisque je vois que vous avez tous été passionnés, alors dans 15 jours, on aura une autre réunion, le samedi 23 septembre, à 9h40, en collaboration, c'est une séance conjointe avec la KGB, qui est organisée notamment par le lieutenant-général Pierre Nierings, que vous connaissez probablement, et ça va être consacré à l'invalidité liée au blast, notamment liée aux attentats qu'on a vécu à Zaventem et à Malbec, bien évidemment. Donc c'est le samedi 23 septembre à 9h40 et elle sera précédée par l'éloge académique de feu le professeur Louis Pouplard, membre honoraire de notre académie, qui sera éloge funèbre, qui sera donné par le professeur Claude Sagerman. Voilà, je vous souhaite un beau week-end et un bon apéritif. Merci.